Alors, bon, c'est la maman, celle qui sort seulement quand c'est abusé. Quand c'est irrationnel, je sors. Bonjour, bonjour, c'est samedi soir, tranquille, à la maison avec les miens. Je suis assise par terre. Mes cheveux là, ma perruque là bouge beaucoup. Hein. La perruque, pas mes tresses. On dit, tiens, les jolies tresses, c'est la perruque. On a dit que c'est des coiffures des années, je ne sais pas, des vieilles merdes, je ne sais pas quoi. Si, mais non. Et que vous croyez que si, yoyette. Si, mais. Il est merde chez mère, la mère de Leslie et Livna. On va régler ça. Si, mais. Donc, je mets les coiffures des mères. Ou bien, vous voyez qu'elle va être une mère avant de devenir encore une jeune fille. Si, mais. Bipez-moi Elise Battante et les autres. Bipez-moi le Proxo Pro Max. C'est-à-dire que les gens qui décident de supporter leur personne, ce qui est légitime, mais en supportant, ils vont tout saccager sur leur chemin et exagérer à la limite. Non. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit, bipez-moi Elise Battante, s'il vous plaît. Bipez-la très, très vite. Moi, je suis la seule qui se connaît, qui ne donne pas rendez-vous, qui ne cherche pas 2000 personnes pendant qu'elle parle et qui fait le chiffre sur Meta. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le revenu d'impôt, là, on a travaillé. C'est ça. Zoukame lui-même m'a confirmé. Vous avez compris, non? Donc, bipez-moi Elise Battante. Si elle veut même, elle monte dans le direct pour me parler. Parce que moi, il y a des choses que je ne tolère pas. Moi, je ne parle pas des choses que je n'ai pas d'argument. Vous me connaissez pour ça. Mais en même temps, je ne peux pas tolérer l'intolérable. Vous comprenez, non? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que oh, les gens se lèvent et supportent leur personne, ce qui est légitime. Parce que même les tueurs en série, ok? Encore faudrait-il que ce soit vrai que c'est lui le coupable. Même les tueurs en série, ok? Ont les gens qui les supportent, ont leur famille avec eux, ont leurs amis. Le tueur en série est sympa avec son voisin. C'est seulement ses proies. C'est comment on appelle? C'est proies qu'il en fait. Bon usage. Mais les voisins, des fois, il trouve que le voisin ne fait pas partie de ce qu'il cible comme proie. Donc, il ne fait pas de mal au voisin. Je dis le tueur en série. Donc, il n'y a rien que je vous apprends. Bipez-moi, Elise Battante. Ce n'est pas possible. C'est sérieux. J'ai mis la télé. C'est la télé, c'est elle ici. Elle vient de faire le direct. On va écouter ensemble. On va développer ensemble. J'attends le nombre. Ma page est très restreinte. J'invite les personnes qui sont déjà connectées, s'il vous plaît, sortez, allez partager et revenez. S'il vous plaît, je vous dis. Voilà, on va parler. Le thé là est bon, oh mon Dieu. C'est la menthe avec du quinquilibre. Oh là là. Oh, c'est tout simplement magnifique. Et des fois, je mets du sirop d'érable comme sucre. Tu sais, je mets une cuillère à café de sirop d'érable. Ça fait un petit chambrement de parfumement. De, voilà. Bipé Elise Battant. J'attends le nombre. Mon nombre aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup parce que je suis restreinte. J'ai encore peut-être 2 semaines de restriction. Quand c'est comme ça, mes détracteurs sont contents. Mais ça ne dérange pas. Après, je reviens à la barre. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que Zoukame confie même le travail. Vous avez compris, non? Voilà. Après, je reviens. Mais je suis en restriction. Donc, j'attends le nombre. Partagez, sortez, vous partagez, vous revenez. Parce que je vais taper sec. Je ne vais pas tourner par 5 chemins. Et on va citer les contemporains. Tant pis pour les gens qui vont être cités. Parce que c'est un peu compliqué. Ça énerve même à la limite. Il ne faut pas exagérer. Vous pouvez vouloir vous adresser à une personne parce que sa sortie vous a dérangé. Mais vous ne généralisez pas. Vous ne généralisez pas. Essayez de supporter qui vous supportez avec votre, tout votre engouement, votre adresse, votre énergie, votre amour. Mais n'exagérez pas. Monza. Ma bio, la PDG des fumées bio, Elise Battante, que j'aime bien, mais qui exagère des fois. Surtout, j'étais toujours dit ça, sur l'affaire de tribaliste, de s'adresser à un individu et de parler d'une communauté. J'ai un problème avec ça. Parce que si au jour d'aujourd'hui, on devait se plaindre d'une communauté, c'est chez vous que le torchon brûle. C'est-à-dire qu'un écran qu'on accuse d'avoir tué un autre écran, de son qui vous là-bas. Donc s'il y a une place qu'on doit se moquer, c'est chez vous, Elise Battante. J'étais dit ça, c'est tape sec. Ben, tu viens, tu parles, tu m'as dit que oh, les PD, les sessions, on va écouter ce que tu as parlé. Tu as parlé beaucoup de choses, j'ai coupé ma partie, je suis sortie, j'avais le cœur qui se levait.
Tu comprends? Ça veut dire, si il faut dire qu'une communauté a un problème, c'est-à-dire que c'est dans Ekang, quand un Ekang est mort d'une façon atroce et on accuse un autre Ekang de l'avoir tué. C'est Ekang avec Ekang. Oui, il y avait immeuble d'Ekang même sur ça. Donc, Élise battante, moi je n'ai aucun problème. Je dis bien, je n'ai aucun problème avec toi. Mais si tu veux me clasher, tu peux y aller, j'ai le dos large. Moi, je suis déjà grillé. C'est le genre que quand ça soit sur moi, ça me galvanise. Partagez la vidéo, vous le venez. Je ne sais pas si vous commentez, je ne vois pas les commentaires. Je vous ai dit, je suis tellement restreinte que même Zuckerberg, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai copié une vidéo, je n'ai pas bien couvert les bébés. J'ai laissé les tétons. Zuckerberg est venu me signaler. Tant j'ai couvert mes patrons. Bonjour Patricia, je te salue ma chérie. Mon distributeur automatique des étoiles. Sans toi, je n'ai pas de chèque d'étoiles le mois. Oui, j'ai une Patricia pour laquelle. Quelle langue tu m'as? Elle me met mille, elle me met comme ça. Elle m'aime comme le poème La Salité à Coco. Je vais parler à Élise Battant. Élise Battant s'est levée sur Ngoyi tout à l'heure. Vous savez que quand on se lève sur Ngoyi, c'est bon à moi. Parce que Ngoyi est dans l'exagération. Mais il y a un niveau qu'on ne doit pas atteindre. Là, Élise a débordé. C'est-à-dire qu'en parlant à Ngoyi, on disait qu'elle a une fois mélangé le verre. Dans ce cas, je ne pars pas loin. Je ne vais même pas trouver l'enchelé. Parce que s'il faut faire la liste des enchelés et des lélés ici sur Facebook, ce n'est pas les Shakiro que tu as cité là. Ce n'est pas les Shakiro que tu as cité. Ce n'est même pas Ngoyi. S'il faut dire que les autres ethnies, les Nchele, les Lele, là, c'est que chez vous, là, et Kambeti, là, il y en a comme ça. Gomae, je pense que manque 2 grammes. 2 grammes de Nivanus, à Tanganus, lui seul, il est Lele, sur la toile pavanée, Gomae. Ce n'est pas un Bami. Hein. Nivanus n'est pas Bami. Seulement son accent même. Mm-hmm. Tu as vu, non? Ça veut dire que ce n'est pas seulement une affaire de Shakiro. Je m'adresse à Elisabeth, ouais, à comment on appelle? Élise Bilot. Enfin, Élise Bilot, comment elle s'appelle? Attends, elle s'appelle Élise Battante. Voilà, Élise Battante. Je m'adresse à elle. Je ne sais pas si c'est Bilot, c'est son nom. Je ne sais pas, elle a un nom. Élise Efou. Non, pas Efou. En tout cas, Élise Battante. Bipez-moi-la, s'il vous plaît. Bipez-moi-la parce que j'attends le nombre. À 50, je commence parce que je suis restreinte à un niveau. Moi, il me dépasse jamais 200 ou 300 personnes en direct en temps normal. Donc là, quand c'est 50 que je suis restreinte, c'est que j'ai trop fait. Mais... Donc, hein, merci à ceux qui sont en train de partager. J'attends. Sortez, Françoise. MLB, tu sors, tu partages, tu reviens. Voilà, c'est ce qu'on dit. Je vais m'adresser à Élise Battante. Parce que franchement, là, il ne faut pas exagérer. Tu ne veux pas venir parler à Ngoyi. On sait que Ngoyi est dans l'exagération. Ngoyi est en train de sauver. C'est que tu n'as pas compris pourquoi Ngoyi fait des sorties beaucoup ces temps-ci sur l'affaire de la mort de Zogo. C'est parce qu'on a dit qu'on va la boycotter. Ngoyi veut laver son boycott. Vous ne connaissez pas les stratégies de Ngoyi. Il n'y a rien qui est étrange là-dedans. Mais toi, tu viens sortir et au lieu de comprendre le personnage qui est en train de protéger ses acquis, toi, tu viens, tu commences à insulter tout un village. Oh, les ramelettes, oh, les comme ça, oh, vous êtes ceci, vous êtes... Je ne vois pas vos commentaires, hey, les gens, si je sais qu'il y a des commentaires, oh, maman, oh, oh, Njama, hey, je n'ai pas un autre appareil pour voir les commentaires, oh, maman, hey, c'est que j'allais voir les commentaires, je ne vois pas les commentaires, oh. Voilà, les commentaires commencent, sa page, c'est quoi? Bissot. Élise exagère, depuis ce problème de matinée, je n'aime pas la suivre, c'est trop de haine, c'est bizarre. Oh, de... Oui, elle exagère, Élise, tu dois calm down. On sort de la vidéo, maman. On va en bas, il y a une flèche qui fait comme ça, là. On fait partager. Si ça dit fil d'actualité, tu fais seulement encore partager, partager. Voilà, c'est comme ça. Et on revient. Partager d'abord. J'atteins déjà 50. 50, c'est mon nombre. C'est la seule femme qui fait le salaire à 4 chiffres, proche de 5, en étant avec les maigres vues. Ça veut dire que Zuckerberg même, lui-même, il a confirmé. Il a confirmé le buzz. Il a confirmé. Il a confirmé la personne. C'est comme ça. Mm-hmm. Non, mais allô, quoi? Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Alors, mes chers, ma crème des crèmes, les abonnés de Facebook, l'élite, ceux qui me suivent, ceux qui suivent le juste et la vérité de la reine Mebio. On a un compatriote qui est décédé, Monsieur Zogo, Martinez Zogo. Moi, personnellement, moi, la reine Mebio devant vous, là, c'est un décès, ça dit qu'il donne la chair de poule, parce que j'ai reçu même la vidéo de comment on a découvert le corps, j'étais quelque part. Tu te dis que, mon Dieu, si ça arrive à mon frère, à mon père, à ma soeur, à mon ami, comment je fais? Donc, tu as la chair de poule. Vous voyez, non? Ça fait mal. Et on a parlé que c'est tel, il y a un problème, il y a toute une histoire, il y a beaucoup de parlages, les téléphones trouvés, retrouvés, perdus, retrouvés, les ceci. Maman Bomae, c'est-à-dire que c'est le genre qu'avant-hier, il y avait veillé.
Veiller au CED, c'est avant que j'ai eu la définition de CED. C'est avant que j'ai eu secrétaire d'État à la Défense. Il y avait veillé parce qu'on disait que le verdict va tomber. Les gens attendent, les gens sont sous les projecteurs. Maintenant, c'est reporté à la semaine prochaine. Donc, la semaine qui va commencer, on va encore, il y aura encore veillé la nuit de veiller pour attendre la décision. Parce qu'on accuse M. Amoku Bellinga d'avoir tué ce monsieur, d'être dans le complot de l'assassinat de M. Martinez Ozogun. C'est un dossier qui est tellement, tellement compliqué. Moi, j'aime que les gants. Que vous parlez là, j'ai les gants sur les mains. Je ne connais rien et je n'ai même pas envie de connaître. J'ai dit que les autorités compétentes se chargent d'élucider et de que justice soit faite. Moi-même, je suis partante pour ça. Mais attends, on a une autre soeur, votre Ngoy. Ngoy qui pleure la séparation avec son père. Amour, que nous avons vu comment elle envoie déjà les femmes, c'est-à-dire que subir, or que les femmes étaient en train de crier dans les mains, voler, voler, dans les soirées, on avait donné le drapeau à Motki, le président des blogueurs de je ne sais pas trop bien quoi. Nous avons vu les mêmes femmes, toujours les femmes d'un certain âge comme les nous là, qui elle va se mettre à genoux, elle supplie que le président Amot doit pardonner à sa fille Flo. Flo peut être la fille d'Amot. Faut arrêter un peu vos conneries qu'une petite parasite qui est en train de rafistoler les petits verres de vous appelez quoi là? Les petits verres de whisky là, les petits verres de champagne et tout, parce qu'elle a tellement soif. Quand une petite parasite comme ça qui rafistole les verres de partout vient et se vous dit que non, il faut pardonner à ta fille. C'est pas sa fille, premièrement. Merci pour le nombre. Merci, on a atteint le nombre que je voulais. Merci. On continue les partages. Bipé, bipé, bipé. Zoro, la patronne, a acheté, vu entrer. Bonjour, ma fille. Comment tu vas? La maman est très occupée. Je n'ai pas le temps de me connecter en tant que telle. Mais quand je trouve le temps, comme ce que je viens d'apprendre, là, ça m'a un peu fait froid au dos. J'ai dit, je vais venir passer un peu un petit temps avec toi. Alors, si on est le nombre qu'on est, on va parler de ce qu'on a à parler. Bipé, 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 bipé. Mais Élise battante, il faut que tu changes. Il faut que tu arrêtes. Connecte-toi pour parler à qui tu parles, mais en tiens-toi au fait et limite-toi sur un individu et non une communauté. Sinon, au jour d'aujourd'hui, les contribuables camerounais sont en train de payer des montants aussi chers parce qu'il y a un procès le plus cher, le plus lourd, le plus carabiné qui se passe au CED, aux poches des contribuables pour deux écans. Je ne sais pas si tu te rends compte, Élise, c'est un écan qui a mangé un autre écan en accusation. Nous sommes assis ici par terre. Donc, Élise battante, quand tu t'assois, tu sais bien Flore, tu sais comment Flore Magina Kinkam fonctionne. Tu sais comment Flore, son intérêt avant tout. Tu sais comment Flore, pour elle, le monde peut s'arrêter. Si pourvu qu'elle, elle avance, même dans rien. Tu le sais. Elle a été citée pour un boycott. Elle a commencé à parler de justice pour Martinez, juste pour effacer et éradiquer ce boycott. Parce que comme elle a dit qu'elle est blogueuse du monde, meilleure influenceuse du 237 du monde. Magina est venue nous dire, avec le diplôme, le trophée qu'on lui a donné à Douala. Nous avons tous vu ça ici. Donc, alors qu'en tant que la Nomba ou nos meilleures influenceuses, tu n'as pas parlé de justice, on va te boycotter. Elle se lève maintenant. Elle commence à parler de justice. Elle chante seulement. Pour elle, c'est dans l'exagération. Peut-être, dans son exagération, ça t'a heurté. Mais Élise, parle à Flore. Limite-toi à Flore. Toi, tu sais d'abord comment moi, je suis assise sur Flore depuis 4 ans. Et je n'ai pas arrêté. Je continue. Ça me chauffe pas, je l'appelle même Flore. Mais la peine, vous voyez qu'elle veut même sa mère, je dis à Nangrenga, ça ne chauffe pas. Je suis sur elle, Bomaye, parce que ce qu'elle veut faire de moi, ce qu'elle voulait faire de moi, ce qu'elle continue de faire de moi, ce n'est pas un cadeau. On est d'accord. On est d'accord. Ok? Donc tu ne peux pas, ma soeur, tu ne peux pas venir parler à Flore. Ok? Et tu viens parler à Flore et tu parles à toute une communauté, tu essuies, lave, lessive toute une communauté, nous traite de malpropre. Je ne suis pas d'accord. Élise battante, je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter ça. Tu comprends? Excusez-moi, ma fille est en train de cuisiner là, moi je suis en face là, je regarde, puis voilà, je vous parle, tu parles de la haute maman, je vous parle, lui-même à 4, que ça se finit. En fait, peut-être le bruit, peut-être pas d'eau. Oui, vous comprenez, non? Je dis ceci. Je dis que j'ai des bougies là-bas. Non, ça va pas que j'en ai. Vous m'entendez, non? Il y aura un peu la cuisine, ma chère, ceci, n'est-ce pas grave? Vous êtes en bougie, vous l'entendez déjà? Ah, à la fin, ok. D'accord, ah, beauté. Bon. Ok, beauté. Je suis là, bougie. Ok, beauté. Donc, Élise Batton, il se trouve que madame a lancé un direct tout à l'heure où elle était en train de laver et lessiver et répondre à Flore Magina Kinkam pour supporter le Zomloi.
Sauf que dans son support, elle n'a supporté des hommes loin. Elle a un peu extrapolé, elle est allée trop loin. Elle a commencé à insulter à la ramasse, c'est-à-dire que tous les Américains mélangés. Dire comment les PD, les gays, comment une communauté qui n'a pas mis au monde, comment la génération. Je pense que au Cameroun, au 237, la communauté qui a le plus mis au monde, qui accouche vraiment là, dont la richesse, c'est la progéniture, c'est les enfants, c'est les Bamiléké. Élise, tu ne peux pas dire ça. Tu as déclaré trop de choses qui m'ont fait mal, qui m'ont fait froid au dos, Élise Battante. Non, tu ne peux pas dire ça. Je pense que la communauté, tu ne peux pas insulter une communauté jusqu'à ce point. Voilà. Bon, ça c'est la partie qui a fait en sorte que je me connecte. Hein. Je suis désolée. J'ai le macabo de Ngoï, ça peut tuer. Ça vous savez. Ça dit que macabo qui devient igname, qui devient iceberg. C'est propre, c'est pas négociable, c'est comme ça. Parce que ma famille, on joue pas avec. L'honneur et l'intégrité de ma famille, on joue pas avec. Ok? Une Élise qui s'adresse à Flor Magina Kinkam, parce que Élise supporte monsieur Amougou Belinga. Pour elle, il n'a rien fait. Et pour elle, c'est le genre, dès qu'on va trouver son innocent, la danse sera de taille. On va voir, ça dit qu'on va m'aller à Ayos. On va se trouver au village à Ayos. On va pêcher les poissons avec elle en dansant. Peut-être qu'elle va me descendre au pays, aller au retour final. C'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous comprenez, non? Mais en s'adressant à Flor, comme moi je m'adresse à Élise, est-ce que j'ai besoin de parler de tout le monde de Betty et le monde des camps, que j'ai plein d'amis Betty dedans? Question. Parce que nous parlons d'un cas de décès. Je dis bien ces deux écans impliqués. Je lis souvent les commentaires. Quelqu'un dit que mangez-vous ça entre vous là-bas. Oui, comme quoi, hein? C'est étang contre étang. Nous, quoi dedans? Oui, il y a les commentaires comme ça. Pour dire que Zogo, celui qui est mort là, Martinez Zogo, en étang. Est-ce que c'est un nom bami? Question. L'autre nom, Ngabalona Amougou Belinga. Ané Yabamike, non, en étang. Donc, hein? Deux étangs. Le tribunal siège où? Au CED de Yaoundé, qui est la région Ekam. Ok? Et les autres noms qu'on cite dedans. Tu as vu beaucoup de noms américains dedans. Quand on dit que le monsieur tel qui a pris le téléphone, l'autre monsieur qui avait fait la téléphonée, l'autre monsieur, le ministre, le président, toutes les choses qui sont autour. Tu as entendu américain dedans? Question. Alors, Élise, quand tu décides de soutenir, je vous ai dit ici sur Facebook que même les tueurs en série ont leur connaissance et les gens qui les soutiennent. Le tueur en série a un avocat qui vient plaider pour lui. Le tueur en série a une famille. Ça veut dire que sa mère se lève pour son fils. Elle dit, oh, mon fils, oh, machin, ceci et tout, elle parle et tout pour son fils, la mère du tueur en série. Donc, n'importe qui fait même un crime, c'est-à-dire que le plus grave crime, on va me trouver même qu'il a les problèmes de santé mentale. On va l'amener à l'hôpital un peu des fous pour dire que oui, il a besoin d'un petit quoi à faire, machin. Il y a toujours une histoire psychiatrique qui a fait que oui, on va l'amener là-bas pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sa tête a fait que je sois disjoncté dans sa tête. C'est toujours comme ça qu'on trouve une excuse. Tu viens t'adresser à Flor Magina Kinkam. Tu cites bien une mafou, une lélé. Arrête-toi que une mafou, une lélé. Ce n'est pas les Bamiléké qui ont mis Flor mafou. Elle s'est autoproclamée mafou. Elle est mafou de rien. Anna Grengade a dit ça en direct. Que, oh mafou, oh, oh mafou, oh. Elle a dit, je suis mafou, je suis mafou. Elle a signé. Donc tu le sais, Élise. Nous le chantons ici sur Facebook tout le temps. Tu as vu même que quand le problème est arrivé, que Coco Poueto a décidé de déposer Ngoï de la plus belle façon. Même la communauté de l'hypocrite qu'on appelle Roberto Ngangoum, là, le l'hypocrite Bami pour tribaliste de renom, là, de Bami. Dans Bami, là, il y a tribaliste. Roberto Ngangoum, c'est un autre. On est d'accord?
Donc, quand lui-même s'est levé avec sa communauté pour faire les réunions, ils ont lavé Flo ici propre et dit qu'elle ne peut pas être mafou et être lélé. Donc, Élise, tu ne peux pas porter à une communauté l'orientation de quelqu'un. Je suis désolée, ma soeur, nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. On parle de quoi, là? Même les enfants que nous mettons au monde, nous n'avons pas le contrôle de l'orientation qu'ils vont prendre. Nous prions Dieu que nos enfants suivent ce que nos parents nous ont inculqué, mais nos enfants peuvent nous amener autre chose. On fait comment? On fait comment, Élise? Ça fera qu'il bableque, il bableque. Donc, tout ce que quelqu'un qui est bami va faire, ça va devenir l'affaire de tous les bableques. Et les kankés a tué son frère, c'est l'affaire de qui? Des Chinois ou des Américains? J'ai dit au Zobo contre Belinga, avec toute la panoplie de trucs qu'on entend qu'on peut dedans. C'est le prénom quoi, c'est Barante qui a ça. Puisque tu as cité même les villages. Est-ce que c'est un écran? Ça nous regarde en quoi? Hein? Pourquoi tu es comme ça, ma soeur? Je t'avais dit un conseil un jour, j'avais téléphoné dans un direct et puis tu parlais. Je t'ai dit que ouais, quand tu te trouves même souvent à expliquer comme ça, ne mets pas trop les villages. C'est-à-dire quand tu veux parler à quelqu'un, ne prends pas son ethnie. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Franchement, ça fait que des gens te regardent un genre. Même dans la société. Même dans le... Ça veut dire que dans la communauté que tu évolues, on ça craint. Ça veut dire que si quelqu'un t'approche, si tu as même une maison à louer et qu'un Bamileka arrive là, c'est qu'il a chaud. Hein. Si un matin, il n'a pas payé, la façon dont tu vas sauter sur lui, ça ne sait pas comment tu vas sauter sur les camps. Est-ce que c'est normal, Élise? Battante. Élise, la PDG des fumées bio. Est-ce que c'est normal? Tu es en train de parler à Magina. Quand on parle à Magina, c'est bon à moi. Mais limite-toi à Magina. Parle à Magina. Dis, reproche-lui ce que tu veux lui reprocher. Moi, qu'elle m'assoie sur elle, ne parle pas de Bami, de Ekang, de ceci. Elle, si c'est ça, elle est ma soeur Bami. Pourquoi alors nous Bami, ça chauffe? Si une affaire de village, pourquoi elle est alors Bami et puis c'est chaud? Parce que ça peut chauffer, mais elle est chinois. Mais elle est américaine. Mais elle est Moudjahidine. Mais elle est taliban. Ou bien? Mais comment tu. Pourquoi tu es comme ça? Je demande. Hein, parfois, on dit que les actions des gens, ça vient de leur écosystème. Alors, je ne sais pas comment tu as grandi. Tu as grandi à Ayos ou à Yaoundé ou je ne sais pas où. Je ne suis pas en train de t'insulter. Si tu veux, après, tu me clashes. Moi, je suis solide debout, le roc. C'est-à-dire que la pierre, c'est-à-dire le granit, c'est là, c'est plus mou que moi. Moi, je suis dur. Imaginez ce qui est dur, le roc. Solide debout. C'est-à-dire que les pierres taillées, c'est moi. Ne tentez pas. Donc, si tu viens sur moi mal, mon fou, royalement, d'abord, il ne veut même pas te voir. Tu vas être dans le côté là-bas en train de parler, comme plein de gens parlent dans le côté là. Je n'arrive pas là-bas. D'accord? Dis bien d'accord. Ton écosystème où tu as grandi, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, ma chérie? Pourquoi tu en veux tellement? Est-ce qu'il y a un gars Bami qui t'a lâché? Est-ce que tu as eu des copines Bami qui ont abusé de toi ou bien qui t'ont en tout cas qui t'ont abandonné pendant que tu aimais beaucoup cette amitié? Est-ce que tu as eu un professeur Bami durant ton cursus scolaire qui t'a fait quelque chose qui t'a vraiment heurté? I don't know, ma sister. Tout le temps, c'est la même chose. Je sais pas comment on va faire. Donc tu as un souci, filet d'huile. Tu as un souci. Ok, tu as un souci. Et vraiment, c'est seulement Bami, 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 je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ma sista. Je ne comprends pas. Dans les âmes. Je ne comprends pas, ma sista. Ce n'est pas la pochette, c'est la pierre plane. Je ne comprends pas. Pas encore, ce n'est pas encore prêt. Mais filet d'huile et tu laisses encore. Je comprends pas, ma sista. Pas encore prêt, bébé. Sinon, tu vas seulement éplucher, il n'y a pas d'huile. Il a d'huile ou beurre, si tu veux. Je comprends pas. C'est-à-dire que Bami, Bami, tout ça, Bami, Bami, tout ça. Non, mais attends. Non, mais allô, quoi. Non, mais allô, quoi. Qu'est-ce que les Bamilekets ont fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Tu es insulté. Tu dis que, attendez, on continue. Merde, je suis dépassée. Attendez, j'approche. Parce qu'il y a la haute qui fait le bruit, il y a tout ça qui fait. Tellement étourdi, vous avez étourdi. Vous n'avez plus honte. Oh, Marco. Marco de quoi? Regardez celle que vous appelez Marco. Regardez celle que vous prenez en exemple pour vos enfants. Pour vos enfants au Cameroun. Elles sont là, elles prennent les téléphones, tout le monde. Oh, Marco, moi aussi je rêve de venir en Europe. Oh, Marco, moi aussi j'aime les femmes. Oh, Marco, maman. La publicité de ça. Et vous faites que vous allez étudier ça, un crack. On va vous. Quand vous allez venir faire les études, avec vos femmes là, on va te mettre du
Je ne vois pas vos commentaires. Voilà. Elle demande si à l'ouest il y a encore des hommes parce que tous rêvent de devenir Kwandenge, dont l'Enchele. Donc les hommes de l'ouest rêvent de devenir Enchele, comme la mafou et la mafou de l'élingo et Satan. Hein? Et elle dit qu'on irait et tout du pour l'eau, c'est pour parler qu'on est en surpoids. Tout le monde est gros. Donc on marche comme ça. Pour l'eau, pour les hommes, tourner les fesses, les essais et tout dit. Elle part d'une affaire de Zomlo. Pour elle, il n'a pas été complice. Il ne connaît rien sur le décès de l'autre. Comment on appelle? De l'autre. Donc il y a les commentaires, mais tu ne voyais pas. Merci, bébé. Il ne connaît rien. Je ne vois pas les commentaires ici. C'est pas pourquoi aucun bas si j'ai ça. Il ne connaît rien sur l'affaire de l'autre, du décès de son autre frère Ekam. Parce que c'est deux Ekam. Il faut le dire. C'est Zoro contre Belinga. Anekam. C'est les Ekam même. Je vais m'arrêter là. Je vais commencer à citer le physique et monter parce que je ne suis pas assez basse jusqu'à ce niveau. J'ai une éducation et des valeurs et mon pédigré ne me permet pas de parler un certain nombre de choses. On est d'accord? Voilà. Mais je ne vais pas aller plus bas comme elle, mais sauf que je vais quand même dire comment dire, que ce qui est sûr, c'est une affaire de Zomlo. C'est-à-dire, c'est une affaire de Zomlo contre Zomlo. Parce que même le Zoro qui est mort là devait être une puissance chez eux de journaliste. On est d'accord? Mais une jeune femme vient parler à une autre jeune femme sur qui elle a le macabo. Il fallait laisser bien croustillant. On va te donner des galettes. Oui, oui, ne tourne pas vite. Mais laisse, c'est bon. Comme tu as tourné, laisse le prochain tour. Tu ne tournes pas vite, quoi. Sinon, tu vas devoir changer la casserole. Mais sinon, ça va faire quelque chose plus. Pas doré. Tu vois, non, pas croustillant parce que sa peau reste. Tu vois, il faut que sa peau se passe. Ne tourne pas. Laisse celle-là. Ne tourne pas vite. Il faut que ça caramélise, quoi. Excusez-moi, hein, je suis avec ma pistolet qui hein. Donc, elle insulte au point de dire que Etoudi, vous ne viendrez pas Etoudi. Mais ma chérie, Etoudi là, c'est pas quelque chose que on a vraiment envie de venir. C'est pas comme si c'est quelque chose que ça n'est pas en train de. Il ne s'agit pas d'Etoudi. C'est pas un débat d'Etoudi. Ne mélange pas les pédales, Élise. Tu as un souci parce que imagine à quelqu'un dit justice pour Zogo et essaye de supporter le camp qui réclame justice pour Zogo parce que le camp qui réclame justice pour Zogo, la plupart sont un peu dans les activistes et ont promis son boycott. Et comme elle est stratège et intelligente, mais crois que son intelligence, on ne voit pas ça. Elle est venue maintenant pour plaider. Toi, tu sors pour commencer à l'insulter. J'ai quand même les publicités quand je passe. Même comme c'est petit. J'ai au Azoukem. Ces femmes exagèrent avec Belinga. Je ne comprends pas comment on cite les Bami. C'est-à-dire que quand on dit tribaliste au Cameroun, vous dites toujours Bami, Betty. Il y a beaucoup d'autres ethnies. Moi, je connais les Wadjo au nord. J'ai les amis Wadjo. Les Douala, nos côtiers, les Chaudes et les Bassa, les Manqués. On a tellement d'ethnies, mais vous fatiguez les gens. Ngoï, Elise, pour ta gouverne, défend ses intérêts. Elle voyage, elle touche les chèques pour sa Starmania. Elle ne veut pas que son gagne-pain soit touché. Elle est obligée, peut-être, en parlant de justice, heurter ton fan que toi tu supportes, ton zone noire que toi tu supportes, que tu sais que même la terre se mélange, il n'a pas fait ce qu'on a dit. It's up to you. C'est pour toi qu'on te confesse. Maman, milite. Ça dit qu'elle crée les t-shirts que tu portes. Tu dis qu'il n'a rien fait.
sais, on te donne ça. Parce que même notre tueur en série au palais de justice a un groupe de gens, petits poignets là, qui sont venus pour lui. Et qui le regardent comme ça, dit, ouais, il y a des églises même qui viennent pour prier. Ouais, donc il y a différents gens qui viennent pour son cas. J'ai dit, le tueur en série dans les pays développés. Donc il n'y a rien qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être militant. Au finish, on dit que c'est lui qui a tué. Tu es toujours militant. Bah, c'est ta personne. La personne de quelqu'un, c'est la personne de quelqu'un. Ça, on ne t'enlève pas ça. Mais en répondant à Magina, laisse ma communauté tranquille. Bah, tu exagères, Élise. Et ça a toujours été comme ça. Moi, je suis bamileke, fière, bangante. Tu vois, même si t'es bangante, fière à un niveau. Ça dit qu'un, il y a un peu de bang. Mais mon ami, depuis qu'elle parle, moi, tout le monde, tout le monde. Mais mon ami, me soutre aussi, tu es une double, mon ami. Mon Dieu, que vous nous sait, tu as un beau choix, tu es là, mon ami. C'est que moi, l'enchant, nous sait, tu as depuis mon loup aussi, là. Que vous nous sait, tu as. M'accueille une toile. Merci pour les étoiles. Même les étoiles, je ne vois pas. Tu as vu ça à l'esprit. Merci pour les étoiles, ma chérie. Oui, on vient de m'envoyer sur les étoiles, je ne vois pas. Qui a envoyé? Tu sais quoi, mais c'est quoi avec toi? Que je ne vois pas les commentaires sur le direct, dis donc. Justement que ma fille m'a donné le téléphone ici. J'ai dit que Banganté, maître, Élise, debout comme il, on arrive même au parlement, on donne le micro, je parle. Tu es fatigué, je parle même en Banganté. Tu parles de quoi? Tiers de ma région, de l'ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre place qui pouvait naître avec ma tête ici, là, à part là où je suis né, là, et à l'hôpital de Banganté, s'il te plaît. Donc je te dis que ma soeur, il faut arrêter ça. Prends Ngoï, aller et retour. Ça ne me dérange pas. Mais laisse la communauté Bamileke en dehors. Parce que c'est deux états qui se sont tués. Un a tué l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui dis. Donc si c'est ça aussi, c'est pas ça. Regarde au village. Allez à l'immeuble et quand vous faites la réunion là-bas. Tu comprends, non? Dépose les Bamileke là où ils sont. Parce que moi là, je suis le genre que je n'ancre pas trop dans les choses. Moi, je mets les gants pour parler des choses. Sur les choses qui concernent la politique, j'ai 10 000 gants sur ma main parce que c'est trop compliqué. En tant qu'on a fait disparaître quelqu'un, tu as eu quelqu'un qui fait seulement disparaître. Tu dis que c'est encore quoi? On dit que tu avais parlé sur une chose. Eh, tu ne connais pas. Mais les bamileke que tu joues avec dans ta bouche tous les jours, Élise, c'est bon. C'est bon, mon sang. C'est bon comme ça. C'est deux écans. Un écan qu'on accuse d'avoir mangé l'autre. D'être complice de mangement. Même si ce n'est pas lui qui a mis la main à un complice. C'est ce qu'on accuse. C'est pas nous. Et même les autres noms qu'on dit à côté, même pas vu un nom de Bami. Moi, j'ai entendu beaucoup de noms à côté. Depuis là, vous n'entendez pas. Il y a beaucoup de noms à côté. Non. Est-ce qu'il y a les Bami? Vous avez vu les Bami dedans? Hein? Reine Mère Bio. Lis les commentaires avec le fond de l'essai. Ça anime le direct. Ok. L'Ongoï est toujours dans la stratégie. La chèvre de Tata Lolo. Oui! C'est la stratégie de Ngoï qui fait que Élise sort. Élise, tu peux sortir sur fort. Parce que tu trouves que peut-être elle accuse trop ou bien elle adule ta personne que tu aimes. C'est légitime. Mais n'aimez pas les Bamileke, les Nchele, les Bamileke, les Nchele. Il y a les Nchele sur Facebook. Il y a des Bomaye, les lesbiennes Bomaye, les mangeuses même des mbètes. Vous pouvez la mbète, c'est les Yaoundé. Elles mangent les mbètes. C'est-à-dire que matière sophologie, vous êtes scarphologique, scarpe. Ah bah Yaoundé, le nom est là. Elles mangent les mbètes. Bringue examen, yo bambek ton tomi, c'est parlé ici sur Facebook. C'est tous les noms entre eux. Celui qui vient expliquer les caca de l'autre que l'autre a mangé, c'est tous les mêmes noms. Vous nous prenez quoi? Vous nous avez vu dedans? Élise, s'il te plaît, je suis encore très calme, manqué. Je suis encore très calme, mon sang. C'est bon. C'est très bon. Ton frère n'a rien fait. Bravo. Mais réponds à Ngoï, parce que Ngoï protège son portefeuille. Mais dépose les Bamileke sur les chaises là où ils sont. Parce que c'est comme si c'est votre ballon de ping-pong. Il y a un temps ping-pong, vous parlez n'importe comment. Parce que nous, on est les spectateurs et le tout aussi. Les spectateurs, et c'est même si ça se trouve même justice qu'on réclame là. Il y a beaucoup de Bamileke qui réclament justice. Et les États. Parce que quand M. J. Révi Ngono fait le direct, le nom Ngono appartient à Ekam. Nous, on n'est pas. Il n'y a pas de Ngono à Bamileke. Ni à Bafoussam, ni à Babou. Il y a tous les villages chez nous, il n'y a pas de Ngono là-bas. À moins que sa mère était Ngono, son père était Yaoundé, son père était Ngono. Bonjour, c'est chez vous. J'ai dit que Élise, c'est chez vous. Donc, que ce soit J.Rémy qui nous sort les A1, les machins, il y a beaucoup de vous. C'est tous vos noms. J'ai dit que c'est tous vos noms. Tu nous prends quoi? Un petit truc arrive comme ça et Élise, Colissi, Moma, Singo, Pasto. L'Angoï défend son propre intérêt. Mais oui. Hein? Je vous mets la télé. Les gars, les commentaires. Oh, j'aime les commentaires. Zouka m'a bloqué sur mon truc ici. Pouf. Zouka, mais tu déranges. Au lieu de faire des bisous sur le ventre de ta femme et puis tu t'occupes de l'arrivée du bébé. Sa femme accouche bientôt. Mais hey, c'est mon patron. C'est mon patron. Mais dis donc. Zouka, mais c'est mon patron. Attends, je lis les commentaires. Ouais, les commentaires. J'aime les commentaires. Attends, un peu, lis un peu les commentaires. Peut pas encore mettre la télé, non. On va parler.
Hey, attendez un peu. Ces gens exagèrent, ces femmes exagèrent avec Beninga. Je suis d'accord, vous aimez votre père, homme loin. Légitime. N'importe qui ferait pareil. Mais n'exagérez pas un peu, quoi. Je veux dire. Pina ndose odia. Laisse, tu peux déjà tourner normalement. On dirait que ça c'est déjà caramélisé bien. Je t'ai dit. Vous exagérez un peu. Elle fait du filet de Pegasus hein, avec une sauce tomate. À checker quoi. Essaye voir si tu peux. Là, parce que, ça fait un peu un jardin. Voilà. Tu vas voir que ça décolle, tu vois. C'est la technique. Tu vois comment ça décolle avec le croustillant. Sinon, quand c'est les filets, ça. Tu laisses bien prendre avant de tourner. Voilà. Tu vas un peu avoir un poisson raide. C'est ça. Voilà. Tu vois, non. Laisse aussi l'autre côté bien. Oui. Sinon, tu auras le poisson. Là. Attendez. Je lis. Ces gens exagèrent. Notre frigo de la gloire de quand le camp d'en face voit comme ça. Ça, c'est bonbon. C'est vraiment avant les étals pour ton frigo. Donc 22 grammes et bami. Un autre frère là, ce que j'aime bien là, Waris. Waris et bami. Je demande, hein. Parce qu'elle dit qu'elle est elle est Shakiro. Elle a même fait jusqu'à la cité Shakiro. 22 grammes et Waris sont bami. Je pose la question. On va dire peut-être que si l'autre aussi, elle est celui qui est en Belgique là, comment l'appelle Adonina. Lui, leur nom bami, Kamdem. C'était leur mélange. Hmm? Est-ce qu'ils sont bami? Faut qu'elle vienne parler, elle globalise les baminiquets comme ça. Que oui, vos enfants, vos ceci. Est-ce que Waris, prenons seulement Waris, 22 grammes, alors c'est le patron, ça dit quoi là. Il est banni. Le lélé, tchélé, là. 22 grammes, qui est sur un grand père au Luxembourg, là. Il est banni. Celui qui se met dans la cuisine, debout, entre debout, debout, là. Étroitesse de cuisine, vient parler à une noble fille du dé. Anne banni. C'est pas ton village, Élise. Celui qui a tué celui qu'on accuse, celui qui est mort est banni. Celui qu'on accuse qu'il est complice de tuer est banni. Vous nous prenez quoi? Pour une fois que quelque chose se passe, il n'y a pas les bamis dedans. On a lancé un programme étoile. Donc, il y a 4 minutes 46 secondes. Parce que ma page est restreinte. Bombarder les étoiles qu'on atteigne. Voilà. Il faut 5000 étoiles. Ils ont mis un objectif étoile. C'est lancé là. Donc, bombarder les étoiles. Je vois ça ici. Il reste 4 minutes. Merci beaucoup, ma blonde d'amour. Merci, chérie. Quand tu connais Dosé, Patricia aussi, merci. Ah oui, oui, surtout à cause des miettes. Oui, oui, la reine mère bio, mets-nous la télé. Bon, on continue à aller à la télé. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Elle fait insulte. C'est-à-dire qu'elle parle à... Tu veux parler à Magina. Arrête-toi sur Magina. Quand tu as trop fait, tu prends un angrenga, tu mets sur ça. C'est de bonne guerre. Si ça ne va pas, tu prends même choupi banga, tu ajoutes. C'est correct. Parce que quand Magina te prend, elle prend tout. Elle est partie au Cameroun filmer la maison des gauchers. La maison qu'elle a filmée, c'est la maison qu'on appelle les gars là, les gauchers. Elle a filmé la maison de gaucher, elle avait dit que c'est ma maison familiale. J'ai pas de maison familiale au pays, mes parents sont décédés. Je n'ai pas de maison familiale, moi. J'ai pas besoin d'une maison familiale. Je suis casée, je suis calée chez moi ici. Je vis ici avec mes deux filles. Mes parents sont décédés, mes beaux-parents sont décédés. Et je n'ai pas une maison familiale. On a une belle maison familiale au village, dans ma belle famille. Je prends, je vais, je suis là-bas, aux petits soins. Mais qu'est-ce que tu me prends, Magina? Elle va filmer la maison des gauchers. Elle vient mettre sur Facebook que c'est ma maison. En plus, ils avaient même peinturé. C'est quand même beau. C'est à quoi? Et même si c'était ma maison, ça te regarde à quoi? Est-ce qu'on est dans la concurrence? Imagine, c'est toi qui m'amène à faire la carte que je vous fais vivre un peu dans la télé là. Merci pour les étoiles. L'objectif étoile va être à terre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les étoiles pleuvent. Merci, merci. Je remercie beaucoup, beaucoup les Lolomania parce que les Lolomania là, je ne sais pas. Vous et moi, je ne sais pas comment ça a fait. Vous m'aimez, je vous aime. Merci. Et beaucoup de Lolomania me soutiennent beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci ma fille Patricia, merci, merci, merci. Comme je vous dis là, comme je vous dis là, il nous reste 2600 étoiles pour atteindre l'objectif étoile, voilà. Vous savez que la reine mère bio, c'est un peu, je ne suis pas moi dans beaucoup, voilà. Attendez, je coupe, je continue la télé de Vlonvlon, Vlonvlon, regardons-nous notre télé. Vous savez, avec les guerriers, nos guerriers, les vrais hommes, les guerriers. Élise, tu as séché avant de fumer, à me les derrière étant. À me les derrière étant. Oh, ma peau. Tu peux insulter Ngoï, ça ne dérange pas, c'est bon à moi. Vous de vous. Quand vous étiez en train de la mettre en haut, vous pensiez que c'était pour vous. Allons, on en bas les taouettes. Aujourd'hui, ça vous la casse. Bon. Ok, cette partie m'intéresse. Ok, parfait. Elle dit que quand nous étions en train de mettre Magina Kenkam en haut,
on pensait nuire aux écans. Parce qu'elle parle maintenant en termes des écans. Elle dit que quand nous étions en train de mettre Magine à quelqu'un en haut, on pensait nuire aux écans. Ellie, je vais te répondre. Je fais partir. Ça, j'assume. J'assume jusqu'à... Ça veut dire que jusqu'à dans ma tombe, je fais partie des gens qui ont mis le pied à l'édifice de l'ascension de Magina. Qu'elle devienne star, qu'elle pète plus haut que son nez. Une chance que je l'ai fait vite descendre, redescendre de son piédestal. Très, très vite. Et elle est descendue, pion, couchée au sol. C'est comme ça. Chute libre, sans vitesse initiale. Nami. Ellie, je vais te dire une chose. Quand j'ai décidé d'élever Flor Magina Quintan avec mon chéri, on a vu une femme qui pleure, qui vend le pépé, et que ses copines, le nom qu'elle accusait qu'on a publié, bien qu'après on a appris qu'elle n'a pas publié, c'est un nom, Ekam. C'est elle-même qu'on a encore recité que mange les bêtes, c'est pas nous. Écoute bien, il n'y a pas notre nom là-bas. Hein. Elle a accusé qu'on a publié sa nudité à son fils. Nous avons eu l'empathie. J'ai dit, ouais. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'inviter? Je l'ai invité à mon événement. Une année, deux années, trois années. C'était pas par rapport à une quelconque Ekam. Encore moins à une quelconque Bamileke. Parce que s'il fallait même aller avec le village, aller plutôt dire que j'ai envie de Lolo, en ce moment-là, ça a donné que c'était comme ça. On est d'accord. Je dis bien, on est d'accord. Tu dis que quand vous l'élevez, c'était pour venir nous. Non, Élise, tu vois. C'est-à-dire que tu vois les flèches, tu vois. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelles conditions tu as grandi. Je ne sais pas comment ton écosystème a été dompté par un esprit de tribalisme très poussé. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi un peu, ma fille. Hmm? J'adore quand tu parles le baranté. Ça me touche vraiment. Et ça me rend fier de mon village. Malgré le fait que les parents ne m'ont pas appris. Nous qui avons les enfants mélangés. On va alors faire comment? J'ai dit qu'il y a un 237. Excusez-moi, vous êtes droit là. On parle Bami et Kam. Tu vois qu'il n'y a pas droit là dedans. Hein? Donc, ma chérie, estime-toi heureuse. Mais les Bami ont un problème. Il fallait que deux... C'est-à-dire que quand on dit Zogo, paix à son âme, est-ce que non là même, ça a barrenté même? Ça sort que Aïkam. Quand on dit Belinga, Amoukou encore, est-ce que ça sort à barrenté? Ou à l'ouest? Ça sort qu'Aïkam. Alors, un Aïkam est mort, on accuse un autre Aïkam de le tuer, par rapport à eux des Aïkam, mais faites des réunions des Aïkam. Maintenant, une Bamileke voit que son business veut couler, elle décide qu'elle va plaider pour couvrir son business par rapport à parapotage et pouvoir faire en sorte qu'on ne l'annule pas ou qu'on ne cancelle pas ses affaires. Virgule. Ça devient l'affaire de tous les Bamileke. Okay, elle couvre son gagne-pain. Et Élise, ma tante, le sait. Elle connaît comment Ngoï est concerné. C'est-à-dire que Ngoï, pour l'intérêt, peut tuer même. J'ai dit que même sa mère. Pour l'intérêt. C'est-à-dire qu'elle vend qui elle veut. Vous avez suivi ici l'autre jour, nous a dit quoi? Coco Koto nous a dit que quand ils ont lancé l'agence matrimoniale avec Steve Farr, FDL Data, vous avez suivi comment ça se passait. On prenait les gens comme les cocos et faisait la voix des hommes pour draguer les filles. Donc les filles étaient au Cameroun couchées dans leur lit et dit que j'ai trouvé mon blanc. Or que c'était les cocos qui parlaient. Et après deux temps de mouvement, quand on n'a pas payé les cocos, elle disappear. Voilà l'histoire qu'on a trouvée ici sur Facebook. Hmm? Me parler de quoi? Hein? La télé de l'heure, Lola la puissance dit que direct dans le frigo de la femme, terriblement mal. C'est que là-bas, oh, t'as la télé. Okay. On met play, on écoute, c'est le frigo, on ouvre, on prend l'eau, on sort les glaçons ici, tout est là. Comment? On parlait de quoi? Hey, Seigneur, on peut se permettre. Attends, donc elle dit quoi? Ren, I have many friends et come. They what? They are not like Elise. She has a lot of anger. C'est pour ça que je demande comment a été son. Parce que quand quelque chose arrive, je vais vous expliquer. Les grandes, je vais dire les grands professionnels de l'éducation, les professionnels de la santé et tout, les grandes personnes qui œuvrent sur le développement de l'humain et la compréhension de l'humain. Quand quelque chose arrive, on demande d'abord l'écosystème de la personne. On veut savoir que il est sorti d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Elise, il y a un souci. Quand tu étais petite, soit il y a un Bamileke qui a acheté toute la rue, il a fait les boutiques. Ça vous a énervé. Je ne sais pas. Il faut que tu nous dises. Parce que la façon que tu veux répondre à Ngoï et tu prends tout mon village, tu mets jusqu'à tu suis même le Bamante, je ne suis pas d'accord. Bonjour l'étoile, je ne suis pas d'accord. Ok? S'il vous plaît, quelle est sa nouvelle page? Ngoï est dans la manipulation. Oui, c'est le job de Ngoï. Donc vous ne pouvez pas prendre l'attitude de Ngoï et vous venez coller ça à toute une communauté et vous citez les villages des gens. Mais allô quoi?
Non, mais Elise, tu dis que regarde la démarche des Américains. Ça a quoi à voir avec Magina qui est en train de chercher à ce qu'on ne la boycotte pas et qu'elle puisse voyager. Mais son prochain voyage, ils ont cité les villes, il y avait l'Angleterre, le sud de la France, aux États-Unis, il y a même Chicago. Et quand chose qui parlait là. Donc, ils ont dit que si c'est au Canada, ils ont mon ami Pidjal ici qui va boycotter. C'est comme ça qu'ils ont dit. Donc, c'est leur feuille de route. Maintenant, si Ngoï peut négocier, peut-être elle va faire comment? Ou elle essaye de parler aussi pour dire que les hommes noirs. Peut-être qu'elle a dit les hommes noirs assassins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu dire pour que tous les Américains doivent découper. Mais réponds à Ngoï. Dis que Ngoï, lave-moi là. C'est-à-dire que tu laves Ngoï jusqu'à ce qu'elle est. C'est bon à moi. Oui, tu t'assois sur elle une place. C'est bon à moi. Mais tu peux pas venir. Et puis tu mets toute la communauté des gens comme ça dans les. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord, Elise. Là, franchement, là, mon sang, là, avec tout l'amour et l'estime que j'ai pour ta personne, là, tu exagères. Et dernièrement, je te l'avais dit dans un direct, arrête de faire. Comment on appelle. De marginaliser. Tu marginalises, tu mélanges toujours une attitude à une communauté. Dans ce cas, c'est un Zogo Martinez, père à son âme, qui est décédé. On accuse un âme ou Bellinga de le tuer. Ça, là. C'est les noms des écarts. Donc, hein, nous, on peut se lever sur les écarts. Prop! Je dis que, yeah, les assassins, l'on a tué son feu, c'est les feux du village. Yeah, les écarts, la démarche, les écarts, oh, le ventre des écarts, oh, le ceci des écarts, oh, le criminel des écarts. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non. Non, Elise! Ravise-toi, ma chérie. Ravise-toi. Et Flore, tu connais les stratégies de Flore. Tu n'es pas étrangère aux stratégies. Nous tous, nous connaissons comment Flore Magina Kenka Magie sur les réseaux. Flore, c'est une femme intéressée, matérialiste au bout. Tant que ça ne fait même pas, c'est-à-dire tant que ça n'atteint pas ses choses, elle n'est pas là, elle n'arrête pas. Ça, c'est Flore. C'est ses intérêts, prête à tout. Si elle peut même faire qu'on te vende, le jardin, tu n'as même plus de maison de ce que Flore allait faire. Flore est comme ça. Flore est comme ça. Elle ne recule devant rien. Maintenant, tu peux badger juste un petit peu, un petit peu, parce que ça risque d'être fort. Elle avait le pinceau, je pense qu'il y a le pinceau dans ce rang, là-bas. Non, il est ici. Ah, d'accord, sur ton pinceau. Tu badigeons un petit peu. Juste un petit peu. Tu vois, non, parce que c'est depuis c'est fort. Alors, on va continuer. C'est ma fille en train de faire du filet de Pegasus avec une sauce sautée aux aubergines et puis de la chiqui, voilà. C'est ça, elle est à la cuisine, là. Attendez. Veux-tu seulement devenir un pointeur? Les cheveux nés, elles abandonnent les mariages, elles abandonnent les enfants pour venir lécher les fesses des autres femmes. Et qui est? Et qui est? Oui, oui. Elise. Vous partagez, tu n'es pas. Maman. Voilà au moins 5 enfants de banlieue qui pouvaient mettre chez chaque jour. Il n'y a pas. Bon. Enfants, voilà. Voici la partie. La 5 enfants des Bamileke qui pouvaient naître chez Shakiro. Chez Nivakin, je mets 17. Chez Nivakin, je mets 17 enfants. Lui, il avait les grands-pères. Chez Waris, je mets 32. C'est les deux que je cite là. Waris, j'ai aucun problème. Nivakin, j'ai son macabre. Donc, je mets 500 même à Nivakin enfants qu'il a jeté. Et il a les couches, les bouchons. Boulot, bouchon, à vos couches. Bon, soit les chumbos, soit le plus. Excusez-nous, chez Nivakin et chez Wally, j'ai choisi que les deux là. Donc tu as dit Shakiro, un seul. Moi je choisis deux chez toi. Oui. Et celui qu'on appelle Adolina, il a un mélange. Il y a quelque chose de vous là-bas dedans. Si vous avez d'autres noms, est-ce que vous pouvez me citer les noms? De Lele, Nchele, Ekam de la Toile. Et des Chopeuses d'Embête de la Toile. Vous avez les noms? Vous pouvez mettre des Lesbos. Qui sont pas bamiléqués, mais qui sont sur la toile. Les lélés de la toile qui sont pas bamiléqués, qui sont écams. Et les chopeuses des mecs de la toile qui sont écams. Et les tchélés de la toile qui sont écams. Vous pouvez citer. Parce qu'elle a pris juste mon fils Sakio. Pardon, citer. Hein? Citer. Citer, on continue. On a politisé le tribalisme, cette affaire. Voilà pourquoi ça va dans tous les sens. Elise n'est pas la seule à verser le tribalisme sur Facebook. Je suis d'accord, Nadine. Mais je suis désolée. Elise s'adresse à Flore. C'est Flore qui a fait une sortie. Flore ne parlait pas de ça. Nadine, je ne sais pas si tu as suivi Flore. Flore, c'est qu'on a dit qu'on va boycotter Flore. Flore s'est réveillée. Ce qui est légitime, là. Flore, c'est une personne très opportuniste. On est d'accord.
Donc là, tu commences à la boycotter, se lever vite, vite, vite pour dire, oh, plaider, comme ça, fait. On est d'accord. Tu vois un peu? Donc Flore ne parlait pas de ça. Donc ce qui fait que quand on parle comme ça, Élise exagère. Acceptons que. Non, ne tourne plus, c'est bon. Oh, shoot. C'est ça, parce que c'est pas prêt en bas. Tu as du nom. Le bas n'est pas encore prêt. Laisse le bas que ça. Tu vois, non, maman. Que ça te croustille. Quand c'est des filets, tu peux les laisser un peu prendre. Mais justement, ils vont te faire le test. Non, tu as fait doux, maman. Et puis c'est doucement. I'm at sex. It's okay. Sex is okay. It's a mega loi, you know. Speak English, you know. Les enfants avec l'anglais. Fils général, maman, les fans sont seulement sur la télé. Ce réfrigérateur est très beau avec une télévision qui est attachée, le frigo de la nouvelle génération. Ils sont sur le frigo. Il dit que j'aime chacune ou elle est trop intelligente. Les hommes de la famille d'Haïti. Voilà. Voilà les familles qu'on commence à citer qui sont les lénchelles. Vous dites que quoi, s'il faut citer les noms, ça va être grave. Ça va être grave. Très, très grave. Vous dites que quoi, quand tu venais trouver mon fils Shakiro, Shakiro lui, il a son orientation. Je vous dis que nous mettons les enfants au monde, nous ne savons pas où ils partent. Nous, on touche du bois, on prie. On dit que ma fille, j'espère qu'elle va seulement me dire un jour que maman c'est les fiancés, c'est le mariage, on va dire alléluia. Maman c'est les petits-fils. Comme je vais me lever, ça me dit que non, j'aime les femmes, moi je suis aux femmes. Et n'oublie pas, il y a les lélés, elles sont aux femmes et elles font quand même les enfants. Elles se font mettre les enfants. Il y a beaucoup de choses qui se font. Écoute là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Élise, non. Non, Élise, you need to stop it. You need to stop it, you understand? Stop it. Leave my country, my community alone. Leave Bamileke alone. It's not Bamileke problem. It's two Ekan. One Ekan die. First Ekan die. Second Ekan is accused to be in the middle of complot. Mama, they accuse second Ekan. To be, what I call it in English, complice? Comment on dit complice in English? Hein? Hein? To kill the one Ekan. What the heck? Who did soccer? What the heck? Bah, bangante, bah, mille que fa quoi dedans? Eh, bifang du oblafa, bifang village, bifang village, men venga, bifang yam village, tranquille, bah, comme, bah, que je charbonchen. Bah, que je charbonchen. Il y a Nassis aussi, il y a les noms ici, hein? Bandeur de mèche. Ouais, tous les Kwandenge, il y a beaucoup de Kwandenge qui sont Ekan. Quand tu viens me prendre mon fils Shakiro, le Shakiro s'est intégré calmement en Belgique. Il est passé derrière TV5. Il a fait la marche de fierté. Maman, tu as vu la marche de Shakiro? Laissez, Shakiro a fait la marche. On a vu la télé, papa l'autre jour. TV5. Ok. Shakiro a fait la marche de Kwandenge, la démarche, drapeau, quand tu as chemin, il dit, je suis un homme. Dans le corps, qu'est-ce qu'il dit là? Je suis Shakiro est une femme dans le corps d'un homme et il parle bien. L'enfant, mais dis donc, et si l'interview là, oh là là, et puis maquillage, bon, mais le gens ça a pris mon fils là, et Dieu, et c'est les filles ici là, vous appelez bah, Ivana que dit, bah, Ivana, c'est vous qui avez commencé à gâter la peau de l'enfant ici. L'enfant ici maintenant il est venu gris, violet, je sais plus, mais l'orange et tout, ouais, tu dois baisser ici, ici doit y avoir baissé, mais l'orange, ok. Parce que ça va vite, hein, si c'est beaucoup. Me l'orin, tu me yes. Me l'orin, tu me yes. C'est un peu changé. Je ne sais pas comment il va faire pour récupérer son thé. On continue à la télé. La télé de l'heure. Ouais, qu'est-ce, Seigneur? Vous êtes 13%, non? Vous allez descendre à 6%. Dans 10 ans. Okay. Vous allez même disparaître. Continuez comme vous continuez là. Ok. Vous allez disparaître au Cameroun. Ok. Et on sera trop content. Pour nous quoi? On vous a envoyé les jeunes. On vous a envoyé aimer ce père. Ils sont dans mes commandes. Un jour. Ok. On va disparaître. Le chat de nuit. Tu as la sève qui est comme plateau là. Tu vois. Oh. Maman. On observe. Les observatrices comme moi, on observe. On nous voit. On se dit que pourquoi même se battre avec ce truc. On les laisse vite faire la propagande du ministre. Et
les petits-enfants, les petits-enfants sont là. À Douala, là-bas. Et quand tout le monde est dans les têtes, tout le monde est dans les têtes. On les a Nivanus, Atanganus, il est quoi? Il n'est pas lélé, il n'est pas un tchèlé. Atanganus, que vous tchèlé, Guima? Ouais, ma fille, ma mère, maman Colette dit que tu es très belle dans la cuisine de la voisine. Tu n'es plus dans la voiture. Maman Colette, laisse-moi la voisine. Je lui demande souvent pour préparer. Comme il fait très froid dans la voiture, là. Rien de bio, please, please. Il y a Narcisse et son feu. Maman, il y a non. Passe l'autre côté, bébé. Ma fille, tu es très belle. La télé de la grosse, c'est l'anglais même est étonné. Oui, oui, hey, moi, l'anglais. Eh, hey, ma Rose, tu descends, tu sais qu'elle parle anglais. Tu peux mourir. Leslie et Livna se moquent de moi parce qu'elles sont parfaitement bilingues. Et je peux goûter. Petit bouché. Mmh. Filet de Pegasus hein. Doré. Tu vois, elle a laissé bien doré. Mmh. Mmh. Vous avez déjà vu que les yaouyas. Bon. Tu le connais. Qui veut même qu'on entende parler de lui? Vous avez déjà vu qu'on affiche. Vous avez déjà vu qu'on fait la propagande sur lui. Où est l'éducation de vos parents? Tu fais deux. Mets les bien au milieu. Où est l'éducation de vos parents et de vos enfants? Hein? Où est votre éducation? Vous acclamez quoi? Vous faites la publicité de quoi? C'est elle s'adresse à Flore. Mais. D'ici quelques années, vous ne serez plus au Cameroun. Et Dieu! Et Dieu! Non! Élise, tu te prends pour qui? Ah, mais d'ici quelques années, vous ne serez plus au Cameroun, vous n'avez plus existé. Mais Élise, là même, elle fume quoi? Mais c'est quoi avec toi? C'est moi qui ai fait ça. Parce que là, je n'ai pas fait ça. Parce que comme je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Oui, je n'ai pas fait ça. Franchement, que d'ici quelques années, nous n'allons plus exister. Attends, je regarde les commentaires. Merci, maman Colette. Leslie, Tata Gloria te salue. Coucou, Tata Gloria. Non, l'anglais est étonné, Leslie. Je dis qu'elle dit que d'ici quelques années, nous n'allons plus exister. C'est assez. Ça fait trop. C'est vraiment quelque chose que tu y vas, mollo. C'est mieux ta tomate avec. Mais c'est fort, parce que tu en as des. C'est très fort comme épice en maman. But I just put it one side. It's okay. When you eat, you're going to take it together. Don't worry. Yeah. It's, comment je peux appeler ça? Did you? Yeah. C'est épice du Cameroun, là, c'est lourd. Là, tu fais ça, là. Filet d'huile. Donc, vous comprenez, non? Oui, tu peux livrer, attends, tu peux. Vas-y, ok. Donc, moi, je me suis un peu distraite, excusez-moi. Tu fais comme je fais souvent. Je suis moi à côté, tu suis mon japa pendant qu'on coupe. Dès que c'est cuit, je suis la première à goûter. Elle dit qu'elle est à côté, elle suit le japa pendant qu'on coupe. Dès que c'est cuit, elle goûte d'abord. Mais oui, non. Quand tu as la grâce qu'on te coupe, non. C'est les recettes, quand c'est Leslie, elle a toutes les recettes. Façon. Leslie ne va pas cuire le condré. Leslie fait toutes les recettes. Comme là, c'est filet de Pegasus, sauce, je sais pas moi, une tomate aux aubergines, je sais pas quoi. Et puis la tchéquée. Donc, mais cuit. La tchéquée, sauce cuite, pas sauce vinaigrette crue. Donc, elle, c'est comme ça. Elle a toujours des recettes. Après, elle va te servir une assiette comme ça, couvrir comme ça, déposer comme ça. Ça manque que les légumes, elle a découpé beaucoup d'aubergines, elle a mis dans une tomate.
Bon, je crois que c'est ça qui sont ces légumes là, je fais. Si vous allez te mettre les légumes comme ça, c'est ça. Quelqu'un dit quoi, Arène Medio. Et puis quelqu'un dit, let's see, I proud of you. She said thank you, mais un filet d'huile, hein. Sinon tu l'auras pas adoré comme tu veux. Bon, alors, ma soeur, Monzang, on ne va jamais disparaître. Parce qu'une espèce, c'est-à-dire les humains, les espèces en voie de disparition sont les animaux. Nous, les Bamiléki, on est là pour rester. On ne va pas disparaître comme tu dis la Maya, Mamanda. Donc, on laisse ton baradage là. Tu es fâché parce que tu supportes ton frère Ekang et tu aimerais tellement que le verdict sorte et qu'il soit innocent. On te le souhaite vraiment parce que personne ne peut souhaiter qu'on accuse injustement quelqu'un. Mais en même temps, s'il n'est pas innocent, nous quoi dedans? Mais je veux seulement te rappeler, avant de commencer à insulter ma communauté, il faut que tu saches que c'est une affaire de deux écans. Un écran, tu es dans des conditions atroces. On passe les détails, merci. Et un autre écran, parmi les accusés, complices, un écran que vous dites zone war de zone war puissant. Donc ma chérie, ça fait des camps. Allez à l'immeuble écran, faire le siège est réglé. Entre les écans. Là, c'est le nom là. On a vu là, c'est le nom écran. Même quand J.Rémy Ngono s'assoit pour donner ce qu'il dit, vrai ou faux que vous dites là, que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit ceci, son nom Ngono là, il n'y a pas ça à Bangande, il n'y a pas ça dans tout l'Ouest, c'est écran. Bon, organisez-vous. Oh, organisez-vous, c'est ma femme, parce que nous ne cherchons pas les problèmes. Si mon ami est Lokan, elle est droit là. Ma rose du 237 est droit là. Il y a beaucoup d'ethnies au Cameroun, il y a les Bassa, j'ai maman qui est Bassa. Ok, j'ai Tata Na qui est Bassa. Ok, donc excuse-nous. Cameroun n'est pas composé de Bamiléki. Il y a les Wadjo, les Tupuli, les Wadjo. Prends ici, pas là-bas. C'est pas tombé maintenant, Lifna. Non, c'est pas tombé maintenant. C'est vieux. Quand c'est vieux, c'est plus bon. Il y a les gens, les. Non, c'est plus bon. Tu as bloqué, hein. Pour fermer, c'est le bâton qu'on tire. C'est pas avec la même cocotte. Élise a dit à un live que Martinez et Ekang, leur frère, on ne doit pas pleurer plus que les Ekang. Leslie, elle dit qu'elle attend le live sur le Toli du Sénégal. Tu nous as pas fait un retour sur le Sénégal. Lala. Et mais il faut que tu fasses un live. Est-ce que tu vas programmer un live pour leur parler de ça? Parce qu'elle dit qu'elle aimerait aller au Sénégal de savoir c'est comment elle peut investir. C'est elle qui m'avait écrit une fois, elle avait demandé qu'elle aimerait aller au Sénégal de savoir comment elle peut investir, comment elle peut, tu vois, non? Investir. Comment elle peut, comment elle peut prévoir que ça, si elle veut faire un voyage, qu'est-ce que, en tout cas, tu étais, qu'est-ce qui, ouais. Peut-être pas ce qu'il y a à voir, mais quand même, comment elle peut se préparer pour deux semaines, pour trois semaines, y compris vous étiez dans les appartements meublés, les affaires comme ça. Tu sais, essayer de, je sais pas, elle avait écrit ça une fois, c'est toi, non, bonbon. Hello, Kanchumbu, Élise a dit dans un live, oui, très belle cuisine, merci beaucoup ma chérie. On continue à écouter notre haineuse, celle qui dit que notre voix va, notre... Ils vont trouver les banques. Les enfants perdus qui vont venir derrière là, qui n'ont pas d'identité, qui ne savent pas qui ils sont. Un gars comme Chakir va faire un enfant avec qui. L'indice d'or, l'indice de gars. C'est pour l'Ivanus qui est de vous. Mais il va éduquer son enfant comme Modon quand il est venu. C'est pour l'Ivanus qui est de vous. Regardez l'or de lui. Quelle éducation est donnée à vos enfants? Je suis française, je suis l'éducation. Élie, si tu pouvais t'adresser à Flore sans prendre le village. Voilà. Voilà, Banganté. Attends, du village paradis. Bijou, non. Atoume Banganté. Banganté, Banganté la belle. Village, bonne digne, bonne noble personne. Banganté. À cité Banganté, tu sais ça. Ces gens qui ont refusé l'esclavage. L'exception qui confirme la règle. C'est vrai. Ngoï et Chang. Arrête-toi à Fokwe. Même à Chang, là, il y a les forêts, il y a les il y a différents, il y a les bafous, il y a beaucoup de Chang. Et différentes qualités. Tu t'arrêtes à Fokwe. Tu finis avec Ngoya à Fokwe.
tu laisses les autres villages là où c'est là. On n'a rien à voir dans ta requête par rapport à Ngoï. Tu as compris, non? Déjà, quand tu t'assois sur Ngoï, c'est bon à moi. Chimbrou. Et le quand dit Chimbrou. Élise, un peu comme un blog voyage avec les recommandations. Merci. Leslie, tu as compris? Moi, je vais l'accompagner. Hein? Moi, je n'ai pas de problème. Elle donne le rendez-vous. Moi, je suis là. Hein? Elle arrive là. Son truc est au feu. Ses trucs sont à petit feu là. Ça veut dire, suivez. Quand il y a deuil et que les gens pleurent, ces gens-là pleurent leur personne. Mort dans les mêmes circonstances. C'est tout. Voilà. Merci. Non, mais allô, quoi. Mais allô, quoi. Elisa dit dans un live que c'est une affaire des écarts. Mais c'est une affaire des écarts. Mais qui voit que tout le Cameroun est plus ou moins concerné. Parce que, gars, avant que c'est là, il y avait veillé. Sans corps. Avec corps. Mais, hein? Veillé avec mort, mais sans corps. Donc, le mort était peut-être à l'hôpital. Parce que je ne crois pas qu'on a déjà enterré Matinée. Je ne pense pas. Sinon, on aurait su. Alors, je ne sais pas. Oh mon Dieu. Pauvre sa femme. Yako, la famille. Voilà que les barmélés qui viennent écoper dans une réponse d'Élise à sa compatriote Magina. Au point où on nous dit que nous sommes une voix. Nous sommes en voie de disparition. Il y aura plus les barmélés au Cameroun bientôt. Et Élise, on t'a fait quoi? Maman, tu ne peux pas prendre un goyi seul. Tu ajoutes un angrenga et choupi banga. Tu les laves même un mois. Fais quoi? Banganté, fais quoi dedans? Beaucoup de choses. Il y a des choses. Cousine, si moi, je banganté. Eh, maman. Ayos. Ton village, c'est Ayos. Ayos. Je ne crois pas que ni Zogo, ni même Amougoubelinga sortent de Ayos. Et même s'ils sortent de Ayos, ou bien ils sont Ekam. Ekam, général Ekam. Maman, est-ce que nous, on a fait quoi pour venir mériter ce que tu as fait de nous mettre maintenant sur le dossier, que nous allons disparaître? Je sais pas que c'est très dangereux les propos que tu dis là. C'est des propos tribalistes à un niveau pas possible. Mais le niveau de haine que tu as en toi vis-à-vis de la communauté bamileke, ça craint que les bamileke qui t'approchent réfléchissent par cinq chemins. Parce que c'est très grave. Et juste ta voix que tu le penses, ça fait peur, ma chère. Ça fait peur, Élise battante. Ça fait peur. Ton chéri, est-ce qu'il cautionne ça? Je ne sais pas. Parce que moi, je sais que mon chéri, les gens font beaucoup dire, oh, comment son mari la laisse faire les directs? Moi, les directs, mon mari n'a pas de problème avec ça. OK? Mon mari n'a pas de problème. Moi qui écris, je suis anglophone. Bravo. Tu écris très bien, Madeleine. Mais bravo. Bravo. Donc, Élise, quand les communautés, quand les autorités, les c'est parce que tu n'es pas dans ces pays-ci, par exemple, au Québec, je me lève, je sors des propos raciales et tribalistes de telle en sorte que je dise qu'une communauté doit disparaître. Élise, c'est très grave, mais tu fais peur. Les Bamileke qui approchent Élise, réfléchissez cinq fois. Faites gaffe. Parce que son niveau de haine est incommensurable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son écosystème, dans l'enfance. Soit le voisin, peut-être ils ont eu à louer chez un Bamileke qui leur a dévalé l'argent de loyer, les a mis dehors et elle a réglé ça. Ou bien, il y a eu quelque chose, parce qu'au pays, c'est ça, non? Les gens qui louent. Ou alors, s'ils ont les terres, peut-être un Bamileke venait acheter tous leurs terres et après, ils se sont trouvés sans terre. Mais la personne a vendu les terres, il a pris les deux, il a chop. Pourquoi, quand vous finissez de vendre les terres, maintenant vous vous trouvez sans terre, vous en voulez à l'acheteur? Si vous vendez, vous dites que vous vendez tout, vous tirez tout avec la fonde pour vendre. Lui, il vient, il achète tout. On fait comment? Pourquoi vous vous plaignez encore quand il finit d'acheter? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Hein? Attends un peu, quelqu'un dit quoi? Il y a plein de Bamileke tués par ces gens-là. Quelqu'un dit que tu fais la même chose qu'Élise. Non, Mula, elle ne fait pas la même chose qu'Élise. On est dans un débat. Mula, sachez comment on amène le sujet. On est en train de se plaindre d'une sœur, Mula, qui est en train de dire que ma communauté Bamileke, je viens de la région ouest du Cameroun, et j'en suis fière d'ailleurs, et qu'on va disparaître. Hitler, que nous connaissons tous dans l'histoire, nous avons vu ça dans l'histoire de l'Allemagne. Hitler était prêt à exterminer les Juifs. C'est ce genre de propos que Élise a. Nous sommes en 2023. Faites attention. Faites très, très attention. Mais Élise Battance retient ta langue quand tu parles. Vous allez comprendre, on va dire que c'est le game. Mais il y a une limite de l'acceptation qu'on n'atteint pas dans le game. The game of Facebook game. Il y a une limite qu'on n'atteint pas. Faites attention.
On ne déclare pas des choses comme ça. Nous sommes tous des enfants de Dieu créés à son image, semblables, et nous aiment tous d'un amour incommensurable. Mais comment tu peux penser qu'une ethnie va disparaître, Élise? Hein? Comment tu peux penser ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a encore quelques minutes sur ça. Alors, on y va à la télé, là. Que la messe. Oh, à l'époque, c'était l'exil. Laissez, tu peux me mettre ça sur la radio. Maintenant, c'est l'exil de Nkwandebe ici. L'exil de Nkwandebe. Et voilà qui passe. Ils vont vous appeler. Qui va renouveler la population? Qui va renouveler votre population? C'est vos grands-mères. Voilà. Alors, Nivanus est en Europe depuis des années. Leslie Beauté. Nivanus est en Europe depuis des années. Shakiro a voyagé, ça fait quelques semaines. Ça dérange, Elise, en quoi? Shakiro, tu sois une oncle, maman. Shakiro assis à quoi sur toi? Toi, tu sors de Ayos. En France, tu es de l'autre côté. Shakiro en Belgique, il t'empêche à quoi? Tu dis qu'ils vont tous voyager. Mais c'est quoi? Nivanus est ici depuis. Notre frère Waris, le gentil qui n'attaque pas là, est ici depuis. Waris, il est là. Le loyal Waris, il est là depuis. Ils sont dans les Nkwandenge, les yeux, je ne sais pas trop bien quoi. Pourquoi c'est le voyage de Nivanus? Pourquoi c'est le voyage de Shakiro qui a un problème que tu dis que tout le monde va s'exiler? Il faudrait que c'est Shakiro qui reste au pays. Ma mère, elle peut que ça sorte sur la radio là-bas. Ça là, peut sortir là-bas. Spotify. Je pense sur la télé. Je crois que c'est ça, c'est ça. Qui sont encore Spotify là-bas? À partir de mon téléphone. Ça alors, à partir de ton téléphone là-bas. Tu peux? Que je, quand je lui parle, on met on là-bas, je l'entends plus tard. Ça fait bon, 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 bon. Tu manges pas beaucoup? Tu peux goûter? Okay. Dès que ça y est, pour papa, il n'a même pas mangé. Il n'avait pas qu'il n'a pas mangé. J'aurais pu aller à sauce tartare. Il a mangé quelques-uns. Il restait combien? J'avais fait 6. Donc il y a quand même fait 2. J'avais fait 6. Tête de poisson. J'adore. Allez, la sauce tartare. Très bon. Je ne savais même pas que c'était la sauce que j'avais à manger ça. Juste avec la sauce. Je me donne juste avec la sauce tartare. Non, je ne pourrais pas. Hein. Je me dis que je vais apparemment. Non, it's not going to work. Ok. On est un you. À part ici, si tu veux prendre mon téléphone. And you just show them by my phone. Ok. I meant by my phone. But. Not from the there. C'est qui va vous éteindre? C'est qui va vous éteindre? Vous n'avez compris. Comme vous n'avez pas le courage. C'est ok. Mais c'est fou. Maintenant, c'est l'exil de quoi devenir. L'exil de Nkwandebe. Oui. Le voyage de Shakiro. Très bon. J'ai mis 8,42. Et donc, qui va renouveler la population? Qui va renouveler votre population? Et vos grands-mères. Vos grands-mères. Elles sont déjà posées. Elles ne peuvent pas. Qui va renouveler votre population avec votre large grade de gueule que vous avez chez les gens? Qui va renouveler votre population? Aïe. Qui va renouveler votre population? Moi, je parle des choses vraies. Et je dis bien que, hormis la racaille bamileke, les bamilekés intellectuels, ceux qui comprennent bien ma parole savent que ce que je dis est vrai. C'est faux. Je dis
Je vous ai pris l'exemple. C'est faux ce que tu dis. Je me considère comme une personne qui a encore de la suite dans les idées, qui a de la jugeote. Je me mets dans le rang de ce petit site d'intellectuel jusqu'où, je ne sais pas jusqu'où tu arrêtes ton intellect là. Mais c'est faux ce que tu dis. Ceux qui savent que ce que tu dis est vrai, c'est jamais ne ment vrai. C'est archi faux ce que tu dis. Shakiro a voyagé. Sur le voyage de Shakiro, tous les Camerounais vont écoper d'un quoi d'ingéisme comment. Or que Nivanus est ici depuis des années. Il venait même les Kaolo, il a eu ça que récemment. C'est faux ce que tu dis. Archi faux. Il y a faux mon Dieu. Archi faux, Élise. Les grands-mères sont ménopausées. Qui va récupérer votre population avec votre large grande population? Qui va récupérer votre population? Qui va récupérer votre population? Moi, je parle des choses vraies. Elle parle des choses vraies. Et si tu mens? Les valeurs intellectuelles, ceux qui comprennent ma parole, ça, c'est faux. Je vous ai pris l'exemple que Ayos, on a eu deux comme j'ai fait. Ayos, on a eu deux comme j'ai fait. Que ce ne soit même pas un désacalmé, vite et vite. Que ce ne soit même pas un exemple pour vos petits frères et vos petites sœurs. On a calmé les bêtises. Oui. Un peuple sans origine. Okay. Un peuple qui ne se renouvelle pas. Okay. Un peuple voué à disparaître. Okay. Un peuple voué à disparaître. Hein? Après, tu vas faire. C'est quoi? Nous, on regarde ça. Il a dit que je fais ce live là pour vous faire comprendre que vous n'êtes même pas à l'horizon de nos problèmes. Vous n'êtes même pas nos adversaires. C'est vous-même qui allez vous manger là-bas. Et vous allez disparaître. Parce que vous encouragez Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que je peux y faire? Vous croyez que tous les bandits sont idiots? Maintenant, elle se ressaisit un peu. Elle se ressaisit un peu. Vous savez, nous devons apprendre à nous entendre parler. Nous devons apprendre à nous entendre parler. Élise, tu as zaé. Tu as trop mal parlé. Et maintenant, tu dis que tu crois que tous les babéliques sont belles. Les babéliques, peut-être quelqu'un t'a fait comme ça. Peut-être mon bois est sorti. Le bois est sorti. Il faut que, pardon, il faut laisser. Comme vous avez la caméra, chacun s'assoit dans sa maison, mais la caméra, vous prenez les villages des gens. Moi-même, que c'est l'affaire de deux écans, je ne me dois pas d'insulter aucun écran. En dehors des deux cas, même les deux, c'est-à-dire que ce soit le décédé, que ce soit celui qu'on a tué, je n'ai pas les raisons de les insulter. Donc si vous avez des problèmes avec vos occupations, si vous avez grandi avec des, je sais pas, des choses qui vous minent et qui font en sorte que vous haïssez vos semblables à une façon qu'on ne comprend pas, ma chérie, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour ça, ma chérie. Je ne peux rien faire. Tu comprends, non? Franchement. Comment je fais pour avoir les commentaires? J'ai laissé parce que je regardais tous les commentaires. D'accord, si son Facebook est dans un lot, hey, laissez les choses sur son téléphone. Non. Tu as des paquets de choses. Vous pouvez faire dans un carrefour. Oui. Moi, ça. Moi, tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai besoin. C'est tout. Tu as vu comment ils ne peuvent pas trouver Facebook, non? C'est tout le monde. Eh, Zamba. Merci, maman. Merci. Jessicon est banni et Linda Monet n'est pas banni. Mais quand cette dernière a volé l'argent de Sicon, est-ce qu'il a fait un bruit? Hé, hey, elle a volé l'argent. Monerifa, dont le mariage n'est pas allé loin. Monerifa a frappé les dos. Quelle insulte, Élise a sûrement grandi au village. Mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la croissance de ma soeur. Voilà India Moneri qui avait volé les millions de Dieu s'y connaît. Est-ce que les Bamékés avaient riposté? Vraiment, le tribalisme doit s'arrêter. Oui. Facebook même condamne ça. Oui, Facebook condamne. Même, je dis que dans les sociétés où nous sommes là, tente de parler comme ça. Lève ton matrice que je haïs les... Je ne veux même pas dire la phrase. Choisis seulement une chose, tu dis comme ça. Et tu es ferme, comme elle est ferme là. C'est pas bon. Après, c'est ressaisi vers la fin. Il y a des Bamékés. Non, Élise. Non.
Non, 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 non. Disparaître, Elise, c'est trop dit, vraiment. Est-ce qu'elle dort avec cette haine? Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui l'anime. Quand je regarde comme ça, je dis, hey, qu'est-ce qui s'est même passé? Je veux comprendre. Parce qu'on pose beaucoup de questions. C'est, elle sort d'où? Comment était sa cellule familiale? Comment était sa dit que le secteur où elle a grandi, son background, est-ce qu'elle était religieuse, chrétienne, pratiquante, pas pratiquante? Est-ce qu'elle a les scolarités? On regarde la scolarité. On regarde, lui, c'est ça, la cellule, le nombre d'enfants qu'il y avait dans la famille, les revenus des parents. Comment les parents étaient, est-ce qu'ils travaillaient parce que les parents salariés ou pas, est-ce que c'était des cultivateurs, avaient-ils des terres où travaillaient, eux, squatchaient dans les terres des gens. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde. Et qu'on regarde tout ça, on peut dire que, bon, ok, celle-là, vraiment, donnez-lui une petite pilule, ça ne va pas. Ou on peut dire que non, on peut la comprendre parce qu'elle a un petit mal là. Mais même à ça, ça ne te donne pas. Ça ne te donne aucune raison de le faire, Elise. Donc, ça, c'était le point que je voulais te parler, mon gars. Si tu prends ça comme un clash, tu sais ce que tu as fait. Moi, là, mon dos, quand vous me voyez là, c'est large. Ça dit que vous pouvez même faire même 800. Hey, tous les pages, même. On se lève un matin, on a eu barbare, partout. Oh, on est encore comme ça. Moi, un jour que j'ai l'âme, mais c'est moi aussi. Je dors, je ronfle, je pète. Moi, un jour que j'ai l'âme. Tu as vérité vraie. Un jour que j'ai dans ma petite, je dors, je me lâche, je me prélasse, je ronfle jusqu'à. J'arrive à m'abandonner. Oui, rien ne me fait. Je vous dis. Donc, ça te choque faux, tu prends ta caméra. Par contre, tu reproches Ngoyi de quelque chose. Reproche Ngoyi de ce que tu reproches. Mais en tiens-toi à ça. Laisse les bas médicaux, ils sont. Laisse m'abandonner. Baganté, la belle, ou village Baganté. Depuis quand une Fokwe est originaire de Baganté? Pas la Fokwe au village de Fokwe. Si tu veux t'entraîner au village, limite-toi à Foucault là-bas. Pourquoi tu parles à Foucault? Ça devait chacun être baffant. Pourquoi chacun doit avoir quelque chose dans l'affaire de Foucault? C'est quoi? Pourquoi vous mélangez les torchons et les éponges? C'est même quoi, Maëvou? C'est quoi, Maëvou, sur les réseaux? Comme tout le monde brache sa caméra à Internet gratuit. Même mais je disais, tous sont comme ça. Et il y a seulement les degrés. Ah, maman, disparaître. Cette Elise, coach. Attends. Quelqu'un dit quoi? Cette Elise. Et coach, on X, elles sont trop tribales. Celle de coach a insulté Kamo la panthère dans un de ses directs. J'ai failli couler les larmes. Juste que Kamo a eu à la taguer en disant coach, on X, justice pour Martinez. Oui, son éducation, ça passait, tout ça fait partie. C'est comment elle a grandi, l'éducation, les valeurs, l'enfance qu'elle a eue, l'adolescence, tout ça, les études au niveau scolaire, tout ça. Ça joue. Parce que quand tu as fait quand même terminale, tu as fait le bac, tu connais la thèse et l'antithèse, tu peux savoir le pour et le contre des choses. Ça, c'est déjà une étape. Quand tu vas encore à l'université, maintenant, tu es dans les développements. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un travail universitaire sans faire toutes les facettes. Ça, on va dans tous les angles possibles. Même l'angle qu'on ne peut pas penser, on le pense. C'est comme ça. Ou bien, voilà. Ça, c'est la partie qui concerne. Je remercie ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup. Merci, ma Patricia Co. Merci, Vonvon Simic. Merci, les autres. Je n'ai pas vu tout le monde qui a envoyé, mais ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et je vais parler maintenant de la deuxième étape de mon direct. Franchement, Elise, mets de l'eau à ton vin, hein, ma chérie. Essaye de trouver un moyen de voilà, je vais encore continuer à mettre. Essaye de trouver un moyen, hein, ma chérie, de doser. Dose un peu. Elle dit qu'il y a un petit frère qui voulait être Lélé Ayos. Ils ont calmé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Nivanus? Atangananus. Ils n'ont pas calmé. Ils ont calmé Atangananus. Atangananus, Lélé avait un rampe. Qu'est-ce que ça soigne? Il va parler. Mon avait une cuisine étroite. Il est debout comme il. Si tu fais comme ça, là, il tombe. Tu ne peux même pas passer deux personnes debout. Il parle à qui? Vous n'êtes même pas. Vous parlez à qui? Est-ce qu'on est les mêmes choses? Est-ce qu'on est les mêmes choses? Moula dit que Kamo avait provoqué cette blogueuse, cette coach Onyx, que c'est Kamo qui a provoqué. Bon, moi je dis, essayons de mettre de l'eau dans notre vin. Moi je sais qu'il y a des gens qui sont assez fans de Monsieur Zomloa et qui ont vraiment mal de voix, qui subit tout ce qu'il subit. Mais prenez votre mal en patience. Ouais. Prenez votre mal en patience. J'ai coupé là, parce qu'elle a commencé à dire tous les Bamlekés sont bêtes, tous les Bamlekés sont réfléchis. Je ne sais pas comment elle a fini avec son direct là, je suis quittée. J'ai dit, attends, mais cette fille, elle se prend pour qui là? Non mais allô quoi? Non mais allô quoi? La fille du village paradis, mais ça va pas non? Mais attends, mais tu parles de quoi là? Hey, mais c'est une affaire là. Mais c'est une affaire là. Donc c'est un peu ça.
Donc, je vais prendre la deuxième partie de mon direct qui parlait tout simplement de pourquoi les immigrants... Les immigrants, on va faire un direct spécial là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup ces temps-ci. Et je me rends compte que notre communauté en souffre beaucoup. Et il y a plusieurs points qu'on doit prendre en considération. À partir de maintenant, toi qui m'écoutes, ça concerne les immigrants et les... Comment on appelle ça? Ça dit pourquoi les immigrants n'ont pas assez de... Pourquoi les immigrants n'ont pas assez de... Comment on peut appeler ça? N'épargne pas assez, voilà. Dans des fonds d'obligation, dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que pourquoi les immigrants, sont toujours la fronde. Ils n'arrivent pas à arrondir leur fin de mois, n'épargnent pas beaucoup. C'est la deuxième partie du direct. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que moi, je suis une immigrante. Et vraiment, quand tu fais quand on fait le tour de nous, les immigrants, comparé à nos collègues originaires d'ici, c'est-à-dire occidentaux et tout ça, il y a vraiment un grand fossé. Je peux comprendre. Je peux comprendre que nous, les immigrants, quand on arrive, on a laissé nos parents dans une situation un peu précaire pour beaucoup, ou alors dans une situation à cheval et tout. Et il faut qu'on essaye de faire quelque chose pour les aider. Ok. Oui, c'est mieux, maman, je n'aime pas. J'ai pas fait attention. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, elle a mis trop de sel, elle est trop amoureuse. Ok, je ne mets pas dans la ticket, ça va égaliser. Ouais. C'est ça. Donc, pourquoi les immigrants ont la misère à épargner? Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va être comme ça longtemps, tant qu'on ne commence pas à prendre des bonnes résolutions. Premièrement, on a nos familles qu'on a laissées en Afrique et qu'on a pris l'habitude de les aider directement. Quand je dis directement, c'est-à-dire qu'on va avoir une cousine ou une soeur ou un frère ou un parent qui a un magasin, il vend, je ne sais pas moi, en route, un comptoir ou je ne sais pas quoi, un col boxé, je ne sais pas quoi. Et nous, il va nous dire genre, oui, pour mon col boxé, j'ai besoin de peut-être 2 000 $, un exemple. Ouais, il me faut vraiment 2 000 $. Donc, 2 000 $, c'est comme 900 000, c'est ça, pour remplir mon col boxé. Le 900 000 qu'on va lui donner, dans ce 900 000, ça sera un donné, hein, on dit lancer, jeter, ce sera un don. Le 900 000, il va l'utiliser pour son call box. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ce gars, quand il va utiliser le 900 000 pour son call box, il n'aura pas de compte à nous rendre puisque c'est un don. On a pris dans notre revenu, ça veut dire qu'on a un salaire plus ou moins de, on va dire peut-être... 3 000 $ net, bon ça c'est pour ceux qui sont un peu middle, disons même 2 000 $ net, il y en a qui ont mis 500, 2 000, voilà, on a un salaire moyen là, genre, même 3 000 $ net, on se dit, bon, j'ai économisé depuis 6 mois, depuis que mon frère me parle de ça, peut-être si j'envoie, ça va lui permettre de sortir de la pauvreté, donc elle envoie le 1 million, le 900 000, il remplit sa boutique et tout, et puis il commence à vendre, mais vous savez que chez nous, quand on travaille ou quand on fait un petit commerce, tout est dedans. C'est-à-dire que si on a chargé la boutique à 1 million, si quelqu'un tombe malade, c'est dedans qu'on prend 25 000 à l'hôpital. C'est dans la caisse de rechargement de boutique qu'on prend tout. J'ai pas mis de plastique. Ah oui? C'était pour recyclage. De vrai? Moi, j'utilise pas. Enlève alors le plastique. Enlève-les parce que j'ai pas mis. Enlève-les, je vais l'amener en bas. Je le mets pas encore parce que j'ai pas encore acheté le sac qu'il a avec. J'ai besoin d'un gros sac. Mais il suffit pas. Il est pas bon. Maman, je te dis là. Mais il ne suffit pas, il retombe, je te dis. Je le laisse là et je le remets en bas, je peux pas. Pourquoi c'est le poisson? Je te dis, c'est le blanc, non? C'est le noir. C'est papa qui a mis. Ah, c'est papa qui a mis. C'est mon père qui a acheté. Tu as vu la boîte de ça? Bon, les deux boîtes sont là. Pour recycler un petit peu. Hé, papa a acheté alors, j'ai pas vu. Oh, papa a acheté, je ne savais pas. Je n'ai pas fait attention. Ah, une chocho. Parce que moi, j'avais mon blanc. Mon blanc était petit. Donc, du coup, on envoie au frère et c'est dans cet argent qu'il fait tout.
si elle est malade, si sa femme tombe malade, si sa femme va accoucher. C'est... Donc c'est comme ça que 900 000 devient 600 000, devient 700 000. Parce qu'on entre à l'hôpital, c'est 120 000, c'est 100 000, c'est 50 000. Examen médical, c'est 60 000. Tout fini. Après, tu l'appelles encore, c'est comment ça ne va pas. Et rentrée scolaire arrive, il faut faire la rentrée, il faut faire beaucoup de choses. C'est compliqué. Ça, c'est le cas d'aide d'individu à individu. Nous, les immigrants, on a ce problème-là. Et on est concernés pour nos semblables. Hein. On est fait de même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être indifférent face à la nécessité d'aider un de nos semblables qui est vraiment dans... Voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, ça fait que on a toute cette pression qui fait en sorte qu'on se retrouve à investir ou à aider des personnes en Afrique et constamment. Parce que quand maintenant la boutique, le fonds de commerce est tombé, il peut te dire que la caisse est finalement tombée sur la l'hôpital, ça m'a coûté très cher, il me faut encore 100 000. Donc tout le temps, on est toujours en train d'envoyer. Associé à ça, dans les fonds de... Les vêtements. Donc nous ici, les immigrants, on s'habille beaucoup. On s'habille beaucoup, on change beaucoup d'habits. Bonjour pasteur supérieur, je te salue des communs à Mougou, mon premier ministre qui a le portefeuille. Sadiquin, au-dessus des portefeuilles, je te salue ma personne. Alors, les autres problèmes qu'on a, c'est-à-dire l'aide individuelle qu'on fait aux gens en Afrique. Je vais vous dire après ce que moi je suggère et ce que moi je pratique et ça fonctionne. Et franchement, à partir de maintenant, je sais que ce n'est que ce que je fais. Donc, c'est pour ça. Je ne fais plus des choses comme avant. Et je réussis à avoir comme même un fonds intéressant, même pour ma retraite. Voilà. Les habits, les chaussures. Donc on va dire, au niveau des vêtements, c'est la saison de ceci, la mode passe, on est déjà au printemps, oh, les couleurs sont roses, on s'en va au magasin, on peut magasiner pour 500 ou 600 pour soi, même pour la saison. Non, on doit arrêter ça. Les habits et les chaussures que tu as, parce qu'on a plein d'habits dans nos garde-robes, nous les immigrants, surtout ceux qui sortent beaucoup, les sorteux, qu'on porte une fois, on dit qu'on a déjà vu avec, on ne veut plus porter. Non, l'occidental, lui, il porte le même habit. Parfois, il va acheter les t-shirts. Il t'achète 15 t-shirts blancs avec 3 jeans. Il consomme avec ça jusqu'en. Tu le vois, tu se sens. Pourvu que ce soit propre. Nous, c'est qu'il faut prendre le blanc, le vert, le jaune, le rose. Si on porte le même, on va nous insulter. Caca, toujours l'habit là. C'est machin, elle a encore porté ça. Machin, on va nous insulter. Oh, que c'est notre habit. On a acheté. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle l'amortissement de notre investissement, parce que même les vêtements là, c'est acheter, jeter, c'est les achats qu'on peut appeler pertes. Ok, donc attends, je vais un peu baisser le truc. Elle est pas là, ça, si tu veux mettre ça, je vais faire comme si ça caramélise un peu plus. Donc moi, ok, je suggère que si tu as déjà une garde-robe, deux garde-robes de fête, des habits que tu as achetés il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Retourne dans ta garde-robe, prends les anciens habits et porte. Dis-toi que fais un exercice. Dis-toi que je me donne 6 mois. Je n'achète rien pour moi-même. J'utilise ce que j'ai déjà. Parce que nous, on a beaucoup plus que les Occidentaux. Les Occidentaux, quand tu entres chez eux, tu fais une penderie. Il y a des habits et puis c'est assez. Nous, on met dans cette penderie, on a encore besoin d'une autre. On a carrément un dressing, et même dans le dressing, les chaussures, quelqu'un seul a peut-être 50 chaussures ou 40 chaussures. Oui, faut qu'on compte, on va voir. Quelqu'un seul a peut-être 30 chaussures, 40 chaussures, bleu, rouge, jaune, vert, violet, noir, machin, tout. L'occidental, il sait qu'il a sa botte d'hiver. Parfois, il a une botte, il porte cette botte-là tant aussi longtemps que ça n'a pas encore subi un truc. Il va porter, il va acheter une nouvelle botte au prochain hiver. Donc, son argent qu'il travaille, il a le temps de l'investir dans des fonds de pension, de retraite, dans des fonds et des obligations qui lui permettent de générer encore d'autres revenus qui peut encore toucher peut-être dans 5, dans 10 ans. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Plein d'habits, plein de chaussures, champion de se moquer de l'autre. Ah, tu portes toujours le même habit. Ah, l'habit, si, c'est son habit. C'est quand tu peux changer de chaussure. Mais c'est ta chaussure. Si c'est ta chaussure, mets-la 20 fois. C'est ta chaussure, c'est autre chose. Si c'est encore bien, pourquoi tu ne mettrais pas? C'est ton sac, c'est ton habit, c'est tes choses. Pourquoi tu ne mets pas? Mets-les. Lui, elle a déjà mis, elle met de l'huile, mais elle met pas le sel. Souvent, elle fait la chicken, elle met un peu de sel, elle met pas le sel. Parce que moi, je peux pas parler le cube. Hein. On n'achète pas le cube chez nous. J'ai une amie, elle fait la chicken, elle met le cube dedans. Moi, non. La chicken, c'est vraiment un filet d'huile. Oui, un filet d'huile et puis. Oui, c'est doux avec le cube, c'est bon. Mais moi, je n'utilise pas le cube depuis peut-être 20 ans. Là, c'est pas bon pour la santé. Depuis des années, j'achète pas de cube.
Mais si quelqu'un vient faire une recette ou que veut que ma reine, je vais préparer ceci chez toi. Là, j'achète le cube parce que ça liste demande le cube. Je vais manger ça ou je vais manger quelque part, il y a le cube, ça va. Non, elle a mis de l'huile. Son étiquette est parfait là. Elle a déjà fini de faire. Donc, je dis que c'est une femme qui écrit que met l'huile dans la tchèque. Elle dit que non, elle n'a jamais. C'est sûr qu'elle va faire une assiette présentable que je vais peut-être filmer pour vous. Hé, hey, maman? Tu vas présenter une belle assiette là. Tu vois ça, ça sera le goût de chop. Et la tasse là, ceci là, cela. Leslie, ouh, elle te met feuilles de ceci, coriandre de cela, échalote de ceci. Que ouais, feuilles de tingle comme ça, les romarin. Ouais, Seigneur, ça prend des blancs. Tu fais pas aujourd'hui, hein? Oui, ok. Tu sais, comme ça, maman, il n'y a pas de problème. Tu fais pas de présentation, tu fais pas. Tu sais, papa, il aime pas trop la chiquée là. Pas. On va mettre trop beaucoup pour lui. Ah, ok. C'est qui alors? Ah, tu te sais. Il est encore en train de travailler sur l'ordi. Il m'a dit qu'il avait 3 heures. Il avait 3 heures. J'ai dit que bon, moi, il m'avait fait le japa. Donc, c'est ça. Alors, nous, on a, comme moi, mon gant, c'est ceux qui me connaissent, qui est allé au pays, comme à l'état à Simalin, ça fait 2 ans que j'avais ça. J'aurai encore ça même dans 5 ans. Oui! Dès que j'ai accroché, c'est ça que ça fait partie des gants que j'ai accrochés sur mon crochet de vêtements usuels de la période. Je vais voir ça. Comme un gant comme ça, je le porte au moins 4 fois avant de le mettre au lavage. 4 fois, ça peut pas l'accrocher. Comme là, j'ai passé la journée avec, je vais l'accrocher. Demain, peut-être je vais sortir, je vais mettre l'habit et puis je vais rester avec mon habit. Si je ne sors pas, je peux être avec la baignoire. Oui, comment elle s'appelle là? Hein? Omer Simpson a dit que je suis avec la baignoire. Donc, je vais travailler la baignoire dans la cuisine de la gloire glorieuse. Oui, c'est comme ça. Donc, ça dépend. Je ne vais pas me dire que non, comme on a vu avec le gang, je viens, puis je vais porter un autre truc, je vais ceci, je vais cela. À moins que je suis une star et que j'ai des compagnies qui m'approchent pour que je fasse la communication sur leurs vêtements et que je promo leurs vêtements et puis en retour, nanani, nanana, ok. Je peux dire, tu peux y retourner un beauté, c'est pour ça que j'ai baissé ton feu. Tu vois que j'ai baissé. J'ai baissé à 4. Quand tu n'étais pas là, parce que je voyais que c'est déjà prêt. Donc, la baignoire. Merci. Non, j'ai baissé parce que ça faisait comme l'odeur. Ça, c'est la technique bien faire le poisson. Tu as vu, non? Waouh. Donc, je baissais. Sinon, ça a fait les. Ça arrête le poisson. Tu ne peux même pas présenter une belle assiette, quoi. Oh là, tu ferais tes condiments. C'est comme tu verses dessus comme ça. Oh là là. Filet de Pegasus, c'est très bon. Hein? J'aime beaucoup. Donc, comme je dis, les habits, les chaussures, nous, les immigrants, on aime toujours dire, ah, oh, elle a déjà porté ça. Oh, on m'a vu avec, je ne porte plus. Pour que tu changes, tu portes un autre. Mais c'est ton habit. Donc, toi, c'est porté, jeté. Donc, tu es emploi, jeté, maman. Porte ton habit même 20 fois, c'est ton habit. En même temps que ça rentre sur toi, que tu n'as pas pris du poids, parce qu'il y a des gens aussi qui prennent du poids, les vêtements ne suffisent plus. Bon, là, c'est un problème pour le magasin. Mais si tu n'as pas pris du poids, retourne dans, fais l'expérience. Je te dis là, avec le confinement, on a étudié ça, on a expérimenté. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent dans leur compte, qu'eux-mêmes reçoivent. Ça, je dis que okay. Vous comptez comme plein de gens. Tu dis que merde, j'ai trop d'argent comme ça, c'est comment, non? Oui, parce qu'on ne dépensait plus. On n'allait pas magasiner. Les gens commandaient peut-être en ligne, mais même à ça, c'était plus trop. Tu vois que les gens ont fini le confinement avec vraiment beaucoup de cash sur eux. Alors, l'immigrant, nous, avec les moqueries que nous avons, parce que dans la grande gueule, ah, dis donc. Il manque la chaussure là, toujours la chaussure là. Parce que quand on te voit, tu t'es habillé, que tu es en bracata, on zoom. C'est ça que moi, je n'ai pas l'habitude d'insulter quelqu'un que son habit c'est 20 euros, elle a porté ceci. Tu portes ce que tu portes, si ça te va, tant mieux. Je n'ai pas besoin de dire, ah, oh, encore l'habit ici, si ça te va, tant mieux. Il y a des habits qui te vont comme un gant, tu peux porter ça 6 fois, 10 fois même. Où est le problème? C'est ton habit, tu peux agencer, tu vois, ok, comme c'est un haut bleu, je vais le mettre avec le pantalon cette fois, après une autre fois, je vais mettre avec la jupe, une autre fois. Mais arrête d'acheter. Utilise déjà un dans ta garde-robe. Retourne back in the day, même si c'est 10-15 ans passé et que ça suffit encore sur toi, garde ça sur toi. Je te dis, je te donne le secret pour épargner. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Je t'ai donné la première erreur que nous faisons, c'est les dons au pays. C'est-à-dire que quand le frère t'appelle, il dit qu'il a besoin de 1 million. Tu envoies 1 million, tu te dis que au moins mon frère va pouvoir commencer un commerce et on va être un peu tranquille. Sauf que son commerce de 1 million, tu oublies que dedans, si la femme tombe enceinte, elle est malade, c'est sur ça. Si la femme tombe enceinte, le trousseau va sortir. Parce que c'est son seul commerce, c'est la seule activité de qui pouvoir pour avoir un morceau de nourriture dans l'assiette. La maladie n'est jamais prévisible. Et il n'y a pas d'assurance maladie chez nous. Donc dès que quelqu'un tombe, on va le temps d'examen 120 000. Parfois, il t'appelle encore à la rescousse.
Bon appétit, beauté. Bon appétit. Tu bois quoi? Hein? C'est pas du vin blanc? Ah oui, pas d'alcool. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il boit pas d'alcool? Moi, ça me tente d'ouvrir un vin blanc. Là. Si papa veut boire avec moi, j'ai des moelleux que j'ai ramenés de Paris. Si tu veux boire avec moi, je me glace un vin blanc, je me fais plaisir. Pourquoi pas? Hein? Des moelleux, des bons moelleux. Je crois que j'avais offert un à tata, à l'autre. Je sais pas, j'en ai encore quand même. Bon moelleux là. Je vais glacer ça. Je vais prendre avec le moelleux. Oui, ça va descendre là. Un bon moelleux bien chambré. Je vais aller chercher mon moelleux. Je le chambre bien. Tu vois, non. Attendez-moi, hein, j'arrive. Je vais chercher un bon moelleux. Celui-ci c'est roche blanche la marque. Si j'espère que blanc moelleux. Regarde. C'est roche. Oui, roche blanche la marque de Bordeaux. J'espère que ça va être. En tout cas, ça quand même. En 60 d'accord. Hein, si c'est des blancs là. Des vins de liqueur, on dit c'est exactement. Dans la neige. Ah ouais, tu préfères? Non, là, c'est en bas. Ah bon? Fais-moi ici en bas. Voilà, je vais me sucrer le bec. Il a dit qu'il va boire aussi. Donc, on va boire deux. Si il boit seul, là, ça ne va pas me plaire. Ça ne descend pas bien. C'est comme si tu ouvres un vin et puis tu le gaspilles. Oh, deux, là, tu prends un verre, deux verres. C'est bien, tu te mets bien. Tu dors, la vie est belle. T'en fous. Voilà. Alors, je reviens sur ce que je disais, on est là. Hein. Vous n'avez, j'ai plus vu vos commentaires, ça veut dire que vous ne commentez plus. Ok, c'est pas grave. Quand je parle, je suis sûre que vous aimez bien, vous me suivez bien. Vous, ça veut dire que les gens, ils boivent mes paroles en fait. Ma crème des crèmes. Ils boivent mes paroles, puis ils sont là. C'est même pas s'ils ont partagé. J'ai combien de partages? Oui! Oh, bravo pour les partages! 116 partages! Merci, ma crème des crèmes, bravo! Oh là là, merci! 116 partages, c'est beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand une page est restreinte. Et je vois les publicités quand même. Ils me mettent, mais ils me mettent petit. Zuckerberg n'est pas gentil. Zuckerberg n'est pas gentil. Donc, je vais parler. Hein. Après, je vais vous donner le temps de parler. Celui qui veut aussi intervenir ou entrer dans le direct, j'ai un peu de temps pour toi. Moi, je ne vais pas manger maintenant parce que mon chéri va manger un peu plus tard. Je vais manger avec lui. Donc, j'ai dit ceci. OK? Bon appétit, Leslie. Je peux avoir une bouchée? Non, une bouchée. Je mets mes mains partout. Tu me mets comme, oui, tu me mets comme cuillère, un peu ça, un peu ça, un peu ça. Mets la cuillère. La cuillère. Là, la cuillère. Fouchette, ça va tomber. C'est comme en Afrique, là, c'est la cuillère qui est nue. Tu as les moutons qui vont tomber sur ta main. Là, voilà. Ah, l'autre côté. Oui, c'est ça. Faisons que ça tombe, après ça tire. Et tu me fais comme un petit. Tu as mes piments forts. Ça pique un peu l'épice du Cameroun là. Non, j'ai mis du piment. Ah, hein? Parce que mon piment est piment garçon. Hein? Non, c'est pas ton piment à toi, Jimmy. Là. Ah. Hi, les si c'est doux. Okay. Quand les si m'a. Les si dit walei. Les si c'est sénégalaise. Hein? Walei. Lei bilai. Bon, j'ai une grosse bouchée là, je sais pas. Voilà. Nam nam. Tu sens? Les papilles. Les papilles. Toutes les épices. Livna mange quoi maintenant? Elle a fait manger à Tiki. Elle va manger?
Est-ce qu'elle va manger à tout? Elle va pas manger, qu'elle va manger quoi? Elle va faire les nouilles. Ouais, les nouilles bizarres, les nouilles. Elle va manger à checker. Elle aime à checker souvent à rester. Yeah, but when I was eating it up, she didn't look like she wanted to eat it. Elle a mangé tellement de crêpes là. Je te promets. Tu as vu la montagne là? J'en ai trouvé seulement deux. Elle s'est mis le chocolat là comme il faut. C'est qu'elle a un bec sucré, Lima. Donc, comme je disais, c'est ça qui fait que on a peur de ce que les gens vont dire, le regard des autres. On veut toujours changer pour prouver qu'on est capable et qu'on peut s'acheter beaucoup de vêtements. On ne porte pas la même chose parce que oh, je suis déjà venue en direct, moi, il y a vu ça avec ça. J'étais même au Cameroun avec ça. Je suis partie au Cameroun, je suis revenue, partie à Paris, je suis revenue. Toujours se cabasser, tout. Même quand je n'étais pas au Cameroun, encore, je ne suis pas même encore mettre ça même. C'est comme ça. Un jour, tu peux même mon machin avec ça sur moi. C'est mon cabas. Ça va. Donc, on va te dire que non, il faut que tu changes, tu dois mettre. Tu avais déjà mis ça, ta chaussure, là, on a trop vu et tout. Et ça fait que, hein. Comment? Yeah, it's Vanity Fair. Yeah, I'm telling you, it's Vanity Fair. I love Vanity Fair. Yeah, I love it. J'aime bien Vanity Fair. Uh-huh. Donc, on va te dire que tu as déjà mis ton cabas. On l'a déjà trop vu avec ceci, on l'a déjà trop vu avec cela. Et puis toi, tu changes, tu rentres dans l'engrenage de toute cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma crème des crèmes. C'est fini. Tu veux encore? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, mais c'est bon. Atiquet est rempli. Hein? Trop. C'est la forêt manioc. Qui est dérivé cassava. Tu as bien fait ton poisson là en tout cas. Tu as vu non le secret? Non. Petit feu, pas pressé. Pas pressé. Oui. La vraie cuisine là. Et le filet Pegasus est toujours sucré. Moi je l'aime même plus que le filet de saumon. Ah ouais. Parce que le filet de saumon, je l'aime juste avec la sauce blanche. Oui c'est ça, c'est tout. Mais le Pegasus, il a un côté. Parce que c'est le yinda, le mâchoiron de chenou. Le yinda en fait. Comme le mâchoiron de chenou. J'aime bien. Quand tu manges sa chair, tu vois un peu. Tu peux manger même 2-3 comme ça, passer 2-3 longs filets comme ça, facile. Très bon. Il ne met plus les commentaires. Prends ton téléphone, maman. C'est bon. Vous ne mettez plus les commentaires. Si vous voulez entrer dans le direct, vous entrez. Donc, je vais te dire maintenant ce qu'il faut faire. Voilà nos erreurs. Nos erreurs, c'est que quand on veut aider nos frères, on envoie 2 millions, comme j'ai dit, 3 millions, 1 million. Et on se dit, enfin, le frère va faire quelque chose. Mais le 2 millions, là, après 6 mois ou 8 mois, il y a une autre histoire. Et on n'oublie pas aussi qu'à côté, il y a les autres problèmes de famille. Si les parents vivent, la santé des parents, beaucoup de choses. C'est compliqué. Et nous-mêmes ici, on achète beaucoup de vêtements, d'habits, de choses. On a trop de choses. Même dans les maisons, tu vois, les penderies, les assiettes, les plats, les couverts, les fourchettes, les pâches, les décos, les ceci, le verre, comme ça, la tasse, les ceci. Les services de tasse, on a même 6. Les services de ceci, on ne sait même pas les qui vont entrer pour boire. Dedans, on est tout en train d'acheter. On a vraiment un problème. Acheteur compulsif, voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme je vous ai dit, pour le vêtement, tuer ça. Tuer ça à la base. Comme moi, ma perruque, si c'est les vieilles nattes des mères, ils m'insultent tout le temps, mais je porte toujours parce que c'est ce que j'ai, c'est ce que je porte, je m'en fous. Voilà. S'ils trouvent que c'est très laid, ben, regarde, je m'en fous, mais c'est ça que j'ai, et c'est ça que je porte, et ça me plaît, et c'est comme ça. Voilà. Et s'ils trouvent que c'est laid, ça va être encore comme ça, même dans 10 ans, si je veux le porter, je le porte, je m'en fous, c'est propre, c'est laid, ça me va, ça tire un peu mes traits, puis là, tiens, voilà. J'ai d'autres perruques aussi, là, voilà, j'ai d'autres qui sont maganées, je les jette, ceux qui sont encore bien, voilà. Donc, je porte. Si c'est trop, ah, c'est comme ça. Ils vont trouver que c'est trop, mais je vais porter. Oh, c'est la perruque, on la connaît déjà avec. Ça fait quoi? Je porte, c'est bon, ça me va, je le porte. Voilà, je lave, je porte. L'essentiel est que ça ne sente pas mauvais. Les vêtements, pareil. Donc, arrêtez quand on met aux vitrines des magasins la nouveauté, que c'est les couleurs sont au pastel. Tu dis que tu vas aller chercher le pantalon pastel et le haut pastel pour que tu aies dans la tendance. Ton petit 300$ là, tu aurais pu investir dans les fonds. De placement commun, whatever, machin chouette, de quoi, même qui peut aider pour la retraite ou qui peut aider même dans 5 ou 10 ans pour faire un autre truc. Tu jettes ça comme ça. Qu'on prend même à la source, tu fais prélèvement à la source sur le salaire, que tant tu ne sais même pas qu'on prélève. C'est comme si ta paye vient seulement ce que tu peux avoir, pas que tu prends même dans ta main avant d'aller déposer. C'est des choses qu'il faut essayer de faire. Ça, c'est l'argent des habits que tu soustrais les gens. Maintenant, pour l'aide en Afrique, il faut qu'on change notre façon. Parce que ces derniers temps, on dit toujours que oui, les immigrants, oui, quand ils vont en Afrique, on les empoisonne, on est jaloux d'eux, les familles veulent les tuer, machin, ceci et tout. Peut-être ils travaillent fort, ceci, cela, machin et tout et tout. Voilà, voilà, voilà. Livna, elle te sait, Leslie? Et moi? Livna, c'est toi alors? Tu as mangé maintenant? Elle est malade pour les chargeurs.
C'est correct, ça peut charger. C'est son chargeur à elle. Ah ouais? Elle a un chargeur. Oui. Donc, vous, tu peux dire enlever, non, Leslie? Tu as oublié, tu as mangé, tu as rassasié, tu es déjà bien pour aller te coucher même. Doucement, maman, doucement. Oh, c'est juteux, mon Dieu. C'est ça que j'aime ce filet-là, il n'est pas sec. Il est très juteux. Tu fais une belle réception, tu fais un plateau de ça, là. Les invités vont être contents. Donc, alors c'est ça. Alors, ce qu'il faut faire pour l'aide en Afrique de nos compatriotes, nos frères, nos soeurs, les gens d'affaires qu'on connaît là-bas, qui sont déjà en business dans beaucoup de petites choses, quand on veut les aider, il faut qu'on soit des actionnaires, qu'on soit des investisseurs pour leur vie. L'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'investisseur... You're gonna take, you're gonna buy it for your own self. Ok. Non, it's very, very nice, Condima. La madame, elle fait la bouteille et 10 000. J'ai dit que c'est quoi? Arrêtez vos conneries là. J'ai dit 10 000, c'est trop là. J'ai dit qu'elle baisse le prix là. Je crois qu'elle a baissé parce que je crois que le gars, parce qu'on avait acheté la dernière fois, tu vois. Et le gars, vu qu'on aime, tu sais, quand il sait que vous aimez bengué, c'est mais du coup 10 000. Je dis, c'est quoi qu'elle met dedans? Moi, je peux faire le condiment là. C'est quoi? Et arrête ça là. Donc. Il y a un marché au Cameroun qui est super là-bas, endémique. En poudre à machin, oui, tout ça, oui, tout ça au marché, oui. Il y a écrasé, pas écrasé à morceaux, tout ça, oui, il y a tout. Et marché fondi, oui, marché fondi, ouais. Tu as tout ça. Il y a une des, oui, c'est vrai que j'achète souvent. Mais celle-ci, c'est une femme à bien massée. Elle fait ses bouteilles comme ça, on dit que 10 000. Je dis que 10 000 pour aller vous faire arrêter ça. Okay. Et je dis que 5 000 même, c'est trop. Mais je peux donner encore 5 000, mais 5 000 c'est trop. 2500 même, c'est bon. Prends même 5 bouteilles. Mais c'est que le gars, je crois que celui qui devait acheter a augmenté pour tu boire son autre. C'est qu'on payait tout le monde en mode business. C'était 10 000. J'ai dit 10 000. Donc on voulait 4 bouteilles. Mais que c'est quoi? 50, 40 000 pour les condiments. Dans les bouteilles, que c'est quoi? C'est comme ça. Bref. Alors, Leslie, elle me coupe un peu. Mais c'est pas grave. Donc, moi, je dis ce qu'il faut faire. Il faut être investisseur. Il faut être. Comment je peux dire? Financier. Pour nos familles, devenons des investisseurs pour nos familles, c'est-à-dire que quoi, ton frère t'amène son truc, oh j'ai acheté ceci, je suis en train de faire ceci, c'est à tel niveau, tu dis que ok, comment ça se passe, tu dis fais-moi le business plan, oui oui, devenons des investisseurs, quand il va te manger, il va savoir que dans ce qu'il est en train de œuvrer là, le capital investi c'est tant, le bénéfice c'est tant, quand il sait que tu es en tant qu'investisseur, lui-même il sait qu'il est dans un business où il a l'obligation de résultat. Ça sous-entend que même quand il va se lever pour dire que l'hôpital a fait, qu'il va commencer à dire que hey, l'affaire, si le capital investi c'est 1 million, le bénéfice par mois, j'ai dit quand on investit 1 million pour ta boutique là, c'est combien qu'on vend par mois, quel est le rendement, le loyer c'est comment, c'est si tu calcules tout et tu dis que bon, ok, 1 million, voilà, 1 million investissement, on part en affaire. C'est mieux d'aller en affaire avec les gens dans votre pays que de donner, comme on dit, lancer, jeter, et il part, il fait, puisqu'il n'a plus d'œil regardant. Si c'est qu'il a en affaire, on dirait qu'il sait qu'il a quelqu'un qui regarde. Même si après, tu vas dire, ok, quand il vient te donner le bénéfice, tu dis, réinvestis dans le magasin. Mais tu sais que, il sait que tu as l'œil regardé. Parfois, tu peux dire, vire les dividendes à telle personne, genre. Pour qu'il sache qu'il y a quelque chose, tu vois. Et là, tu vas voir qu'il sera en business et il aura une obligation de résultat. Et il va aider à ce que le business perdu. Puisque si ça ne perdu pas, l'investisseur s'en va. Puisque si on prend 100 000, 200 000, on met sur l'hôpital, on met ceci, on met cela, l'investisseur ne peut plus réinvestir. Puisque l'investisseur n'a pas vu le retour sur investissement. Donc, il faut qu'on devienne des investisseurs. C'est plus réfléchi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un te parle de business. Ok, je fais dans, je vais dire, je coupe les bois de menuiserie. Ah, ok. La machine pour couper. Ah, oui, je prends la machine, je la loue, ou je l'achète, ou ça vient de Chine, je le commande. C'est combien? On dit que 750 000 ou 1 million. Ok. Est-ce que tu as l'espace? Oui, je loue l'espace à 5 000 ou 10 000. C'est un hangar d'un entrepôt, d'un terrain d'un monsieur qui n'a pas conçu. Ok, 10 000, c'est combien? Ok, on prend un an de location. Ok. Comment tu as l'espace? Oh, c'est la CIU, les gens viennent couper, les femmes viennent prendre le copeau, les ceci. Tu prends toutes les informations qu'il faut.
Tu ne veux pas juste dire que j'ai besoin de 1 million parce que je vais lancer la CIU. Tu lui donnes 1 million et puis tu restes au quartier. Il t'appellera encore pour l'autre. Mais si tu entres en investisseur, il sera obligé de te faire des feedbacks. Et quand il sera en train de te faire le feedback, il sera en train de travailler sans s'en rendre compte. Et, il sera en train, et toi, tu vas être aussi en train de gré up parce que ton 1 million sera en train de produire. Tu vas avoir la traçabilité de ta production. Et même si tu ne le reprends pas, tu le laisses dans son investissement, tu seras fier. Et lui aussi va regarder que hey, j'étais ici, je suis rendu là-bas. Voilà. Et il ne sera pas que chaque mois on va t'appeler, que ceci, que cela. Quand on va me t'appeler, tu peux lui dire que encaisse, tu as tant. Fais comme ça. Il va savoir que c'est dans le bénéfice. Il va devoir faire. Et vous avancez en business. Oui, j'ai dit ça, Hora. Ma soeur, regarde un peu s'il y a un commentaire. J'ai dit ça, Hora. Vous êtes 53, non? Il y a un commentaire, vous répondez. Vous pouvez téléphoner en direct pour parler. Ne me regardez pas, j'ai parlé depuis. Ya. Yeah. Ne me regardez pas, j'ai parlé depuis. Les chauffe encore monter, mon bébé. Appuie sur mon play. Chauffe-moi et bon. Hein, beauté? Tu peux revenir à la bouteille. Il n'y a pas de questions. Hein. Bon, je vais partir. Mais si tu as regardé, si tu as une question là-bas. Non. Regarde un peu beauté. Oui, regarde un peu beauté parce que des fois, là, ils sont là seulement. Quand ils entrent chez moi, là, ils me regardent seulement. Ils me regardent. Je parle toujours, c'est fini. Attends, qu'est-ce que la Monza a fini de dire ici? Elise Bissot. Venez insulter ma communauté juste là. No one had a question. Let me check the video here. Let me check. I'm thinking you're going to be able to see it. Adam, you have to see me? Je pense. Pas naturellement. Pourquoi? I'm on direct. Why are we have it? Merci. Laisse-moi refresh. If I refresh it. Non? Ouais. Je sais pas. J'ai refresh, mais je suis pas là. C'est pas question, mais c'est en direct. Ah, ok. Donc, il va en différé, lui. Wow. Ok. Donc, je peux pas me voir en direct ici. C'est ça, j'avais eu les commentaires sur le frigo. Black Beauty. Voici l'autre ici là. Prenons le Japon. Moi, je te prends un exemple. Uh-huh. Alors que c'est la famille de confesseur. Uh-huh. Je te prends un exemple à tout dans ma campagne là-bas. À tout. Jean-Louis, notre grand frère Jean-Louis et sa femme sont arrivés et la star me sent, sont arrivés dans une fête. Je te dis, dans une fête. Que j'ai loué mes chaises. Ils étaient assis sur mes chaises. Ma chérie, je ne suis pas, on appelle ça une femme de caractère. Yes, je ne suis pas partie, je dis que, oh, voilà la famille de compresseur. Je vais aller me prendre une photo avec Nada. Je suis restée, et puis j'étais avec mon mari. Je suis restée à ma place où j'étais, où ma place était mes fesses. Quand tu dis que tu veux être star, quand tu dis que tu es quelqu'un public, c'est vous qui cherchez la Starmania. Quand tu veux être derrière, on vous donne la Starmania, mais vous ne les avez même pas utilisé. Okay. Quand tu dis que tu veux être derrière quelqu'un, ma chérie, je ne peux pas voir Romoko aussi, ou bien je ne sais pas qui, que compression, ce n'est pas que j'ai les problèmes avec eux. Mais là, pour la simple raison, le respect que j'ai envers compresseur, le respect que j'ai envers la type que je suis entrée, je ne peux pas aller me filmer avec eux. Pourquoi? Parce que Nancy laisse ça. Dis ta mère, va là-bas. Depuis quand tu es entré dans mon direct, quand tu donnes la visibilité à quelqu'un, quand tu fabriques quelqu'un, toi-même dans ta vidéo, j'ai entendu comment tu disais que tu as dit à la lionne de ne pas supporter ma peau. Hein? Aujourd'hui, tu es dans l'enfant. C'est ça qui a dit que je viens avec la baignoire. Pourquoi toi? Que je viens avec la baignoire dans la cuisine. Elle voulait dire le baignoire. Avec les villas concon. Tu ne peux pas te filmer. Pourquoi vous mettez les enfants dans les erreurs alors que vous-même, vous n'arrivez pas à commettre ces erreurs-là? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est pas possible. Être
incroyable, mais vrai. Tu vas venir me lever le matin? Tu dis que c'est toi qui dis que tu as fabriqué cette fille. Ok. Hein? Et au lieu de dire à la fille que non, quand tu supportes quelqu'un, quand tu es dans la team de quelqu'un, il faut tout le respect. Tu m'as rien vu, moi. Je suis ancré dans la team de. Je suis participant. Mais je te salue. De compression. Hein? Je suis participant de la team de compression. Mais est-ce que tu m'as vu un jour aller me filmer avec quelqu'un qu'elle déteste? Avec quelqu'un sur la toile qu'elle a eu des problèmes? Ou bien elle me zigner parce que je veux une photo de star? Je te prends un exemple. La famille de compression, Jean-Louis me sent, était dans une fête où moi, je loue les chaises de mariage. Où moi, j'étais dans cette fête-là. Hein? Mais je ne suis pas partie. Dit oh, je vais me filmer avec Jean-Louis Messant. Jamais. On appelle ça quelqu'un qui a la personnalité. Quelqu'un qui a la classe. Quelqu'un qui sait ce que tu veux. Tu ne dois pas. C'est ce que tu veux. Pour la première venue, où elle est là? Je l'ai défendu ici. Je l'ai défendu. Quand j'ai vu dans la. Comment on appelle ça? Dans ton direct, comment on est léché? On est léché. Je ne connais pas ton parti. Toi là, comment on appelle ça? J'ai l'impression que ta queue de vente ne fonctionne pas bien. Hein? Tu acceptes qu'on lynche tes enfants que tu as donné à Starmania. Mais une fois que ça l'a déjà touché, tu es capable de dire à toi, comme tu vois là, on ne peut pas faire ça. Pourquoi toi-même? C'est qui? Je restais, mais moi, c'est toi toi-même. Toi-même, tu ne fais pas de dimanche. Merde, regarde comment tu me fais tirer mon bras comme si je bagarrais. Pourquoi toi-même, tu ne fais pas les mêmes erreurs? Hein? Pourquoi toi-même, pourquoi vous faites toujours que quand un enfant fait une bêtise, on ne dit à l'enfant que tu as fait une bêtise. On quand tu vois l'enfant à gauche, à droite, en haut, au milieu, on ne dit à l'enfant que voilà la route. Ok. Même si les chercheurs ont moyen pour venir en France, c'est pas comme ça. Du capitaux, c'est pas comme ça. Voilà. Appelez à dire aux enfants que ça, ce n'est pas la voie. Elle a choisi, même qu'elle est venue en tant que jeune, pour la personnalité, pour son charisme. Okay. Hein? Pour son charisme. Si elle veut avoir une personnalité comment on appelle ça, dans votre de tout blogueur de là. Hein? Elle doit déjà se respecter. N'est pas se pavaner partout. N'est pas aller parce qu'elle a vu. Oh! Et puis, je vais te dire quelque chose. Compresseur m'a ouvert sa porte. Hein? J'ai manqué avec compresseur. C'est qui est là? C'est qui est pourtant une personne trouve la porte? Une personne. Moi, je n'ai jamais ouvert la porte à personne de faire vous. Sur moi. Personne. Tu es au village. Aïe, ça. Trouve la porte que je mange avec. Elle est partie manger avec ma peau. Rien que ça est un filmé avec ma peau. Je l'aime. Pourquoi elle tu as vu les photos? Tu as vu comment la femme de Bangou était en train de rigoler? Même pas beaucoup, non, elle était en train de s'en. Vous dites donc, voilà. Comment tu filmé? Pourquoi vous ne dites pas aux enfants que ce que tu as fait n'est pas bien? Pause. Mais c'est pas possible. Elle demande de dire à Homer Simpson que comme Homer Simpson est allé saluer le président Amon, le président Amon et son épouse au deuil de la doyenne, elle a trahi Magina. Elle n'est pas loyale, Homer Simpson. Je retourne la question à Ma Kinto. C'est-à-dire que le Jansan, ça dit que ses doigts sont comme le goudron que les cojefons ont laissé en balmaïo. C'est-à-dire que tu regardes ses doigts, tu dis, hein, elle même maintenant qu'elle est gang pour cacher, c'est tellement c'est laid, elle a tout mis, la peau du caïman est plus jolie que ça. Mm-hmm. Je te retourne la parole, ma faux français, je l'ai dit qu'elle m'a vu là. Tu dis que la lionne n'est pas loyale. Flo Magina Kenkan est loyale par rapport à ta patronne Moussa. Question. N'est-ce pas que Magina a croisé Lolo dans une place ici sur Facebook où ils étaient allés pour l'affaire de l'Olympia? Oui, la conférence de presse que Lady avait donnée. Magina est sortie de là, elle voulait aller en boîte. Elle pouvait aller en boîte avec sa co-hongospute, mais elle a laissé sa co-hongospute. Elle est venue prendre qui? Lolo pour aller en boîte.
Magina était loyale? Question. Parce que quand vous parlez sur les réseaux, assurez-vous de demander aux autres ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous voyez aussi faire par vos soi-disant patronnes. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé l'histoire de Tim. Je n'ai jamais aimé ça parce que c'est quelque chose qui cloue et qui amène les gens à pécher gratuitement contre les autres. Je ne comprends pas comment c'est une jeune santé, c'est-à-dire qu'elle métisse de temps moderne, c'est-à-dire qu'elle ressemble à Chaka Zulu, mais Chaka Zulu peint, on dirait qu'on a pris la poudre de bébé, on a mis sur Chaka Zulu, elle est là debout, ses doigts sont comme le goudron que les projets font jeter là-bas en Balmayo. Elle vient parler que, comment dire, Homer Simpson, celle qui vend les vagnes à Mbopi, que la vendeuse de vagnes n'est pas loyale, que pourquoi elle a salué le président. Mais vous avez du pain sur la planche. Vous allez courir sur Meta. Parce que quand Sengoui qui se lève, elle vient non seulement elle salue Lolo à l'Olympia, à la conférence de l'Olympia, associée à ça, elle donne rendez-vous à Lolo pour aller en boîte. Elle laisse Ngossa, qui est montée sur Paris pour la conférence. Elle part en boîte avec Lolo, elle sait que Ngossa est tombée vers mai. Elle fait que comme une joxa, elle est assise, elle ne bouge pas. Elle veut Lolo parce que Lolo, c'est la bimbo. Lolo va arriver, Lolo va faire, oh, voilà. Elle aime ça. Ça, c'est la loyauté vis-à-vis de Ngossa? Non. Non. Quand elle dit que Lolo est sa yam soeur, c'est la loyauté vis-à-vis de Ngossa? Non. Quand elle sait que Tatana et Ngossa se clashent, quand le problème déclenche avec Coco Kouetou, pour moi, Coco Kouetou va faire la paix avec Tatana, a-t-elle pensé à Ngossa? Question. Pensez que vous allez nous berner ici sur les réseaux. Une chance que on a déjà trop avancé dans le combat. Tu as déjà avancé et j'ai libéré Paris, libéré la toile camerounaise. Oh, ah. Vous allez vous asseoir et réfléchir avant de faire encore quelque chose aux enfants des gens. Et bientôt, vous laissez là parce que moi, je tape derrière vers d'autres horizons. J'ai trop de choses que je dois faire. Vous avez compris, non? J'ai plus le temps. Et plus le temps pour vous. Aujourd'hui, là, j'ai choisi de me connecter parce que ma fille a dit qu'elle faisait le souper. Mon chéri est en train de travailler. Il avait un truc à faire sur son ordi. Donc, je suis venue m'asseoir ici pour manger un pâte et assister ma fille dans ma cuisine de la gloire glorieuse qui vous donne les boîtes et les insomnies. L'insomnie, les gens ne dorment plus sur Facebook. Même Congo, ça va être dépassé. Dépassement même est dépassé. Okay. Donc, c'est elle, c'est moi. Sortie de la voiture pour entrer ici. Oui. Vous avez dit que je n'avais pas besoin. C'est la cuisine-ci que Tata Doudou était venue. Et Tata Doudou avait fait direct là. Qu'elle insultait, quand elle avait la mamie, elle faisait son mission là, c'était ici. Mais conçu d'une autre façon, j'ai repensé seulement. Et j'ai amené beaucoup d'améliorations. C'est tout. Mais c'est la même cuisine, j'ai toujours eu ça. Vous avez compris, non? Regardez-moi ça. Oh, c'est si que tu as prêté, c'est si que tu as loué, ce n'est pas chez toi. Oh, ma chère, c'est si, il faut que tu nous prouves. Comme ça, il n'y a pas les fouchés, il n'y a pas les clés. Ça vous rate. Ça vous rate. J'ai dit que ça vous rate. Écoutons. Celle qui parle, on dit qu'elle ne connaît pas aussi lire comme Ngossa. C'est les oiseaux de même plumage, des patates du même sion. Jang sang sur El Bomaï. Pourquoi vous me mettez en erreur et vous restez pris dans ton direct? Tu disais que les appels, c'est le début. Tout simplement, tu m'as vu une femme de 50 ans. Pourquoi moi je peux mentir? Donne la 50 ans. J'ai vu ton direct en différé. Donc la fille, c'est à 50 balais. Parce qu'elles sont petites sur Facebook. Donc la fille est arrivée à 50. Donc elle est dans notre saut. Hey. Donc elle a quand même 50 balais. Parce que de toute façon, ils font comme ils sont petits. Hey, bienvenue au club, maman. Ensemble, avec une autre menteuse, elle est en train de la décortiquer. Et toi, tu es mêlée. Je l'ai dit, mais avec des parmi, j'ai fait un poteau. Un poteau, on a dit de laver, de protéger. Tu ne vas pas la vie devant là. Le maquillage me met étonné, les yeux, elle a mis les points, points, points. Depuis que tu es en France, moi je ne veux pas que tu vas travailler. Si mon fils, parce que attends, aujourd'hui là, aujourd'hui ma femme, dis là, j'ai 3 heures de route et 3 heures de route là, ça serait pour toi. Très bien. Avec ta machin, je vais te poser. Parce que je vais te montrer que. Du calme. Je vais te montrer que, quand on a une protégée, c'est vous qui faites en sorte que tous ces enfants-là tombent dans les. Comment on appelle ça? Dans les. Des tapas.
Hein? C'est tous ces enfants-là. Hein? Qui sont vivants. Donc voilà. Tu payes le loyer. Je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Elle est propriétaire. Je suis propriétaire. Elle est chef d'entreprise. Elle est propriétaire et elle travaille ailleurs. Elle travaille à Carrefour. Elle est propriétaire. Elle n'a jamais ouvert sa bouche. C'est ça. Elle n'a jamais ouvert sa bouche. Loyal. Comment on dit ça? Elle voulait dire loyal. Quelqu'un qui est noble. Ça va. C'est chaud. La télé. On va voir tout. Attendez. On a la télé. Oh là là, ça c'est aujourd'hui. Allez là. Nami. C'est aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. J'ai tout le même cabas. Le gars là m'a prêté la cuisine pour aujourd'hui. Je vais voir les commentaires. Le mangement. C'est ça. Maintenant, on descend. Ok. Ça, là, c'est la photo de la gloire glorieuse. On a coach à mon chic, assise par terre, devant son frigo. Télé. La reine Medio assise sur son compte avec sa photo qui passe là-bas, là devant son frigo télé. Moussaba a dit que le tout sinon, c'est le vrai tout. Le goût de ça. Pas le goût de ça. Il dit que les Tunisiens ont fait quoi là? Hey, vous passez à la télé de la reine Medio. Je suis pardon, je suis de lui, c'est ta fille. Maintenant, j'ai envoyé à mon téléphone, pardon. C'est comme la télé, l'enregistrement, c'est comme dans le bal poussière. Ah, maman, la manipulation de ça. Aïe, c'est forcé. Elle demande de pardon de ça. Le goût de ça. Ça, c'est chez ma star. Ha! La PDG, maman, la femme du luxe, insolent. C'est chez elle à Lomé. Hein. Je vais à Lomé en décembre prochain avec la PDG. Le goût de ça. Oh my God. Oh, un beau bar, j'adore. Ah, les lumières d'elle. Les chaises, j'ai failli prendre celle-là. La même chose, je l'ai pas la couleur. Ça. Même chose. Oh, c'est trop beau. Check ça. C'est chez elle à Lomé. Le lustre est très magnifique. Très magnifique et bien placé aux escaliers. Ouais. Oh, c'est magnifique. Elle a un beau bar en bas là. Oh là là. Est-ce qu'il y a des commentaires? Regarde un peu. Un PDG. Non, le luxe est cela. They don't know what's going on. What's going on? Qui ne savent pas, ils parlent, mais ils ne savent pas. Understand? Est-ce que tu entends la chanson?
They don't know. They don't know what's going on. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont là, ils parlent. Bang, 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 bang. Après, tu fais bim. Tu as compris, non? Partout. Partout, ils vont aller au sol. Bonsoir. Tu portes à la baignoire dans la cuisine et tu as loué Vanyambopi. Cuisine au prix d'une maison. La baignoire, tout le monde me demande la baignoire. La baignoire. La baignoire noire. Qu'on doit porter la baignoire dans la toilette et dans la chambre. C'est juste moussé. C'est pas. Oh, j'aime bien ça. Oh, ma reine galloise, ça m'a fait un peu couler les larmes. Je vais pas mettre ça. Là. Ça m'a fait couler. Ça, c'est ma Natacha qui s'adresse à la Lyonne. Elle s'adresse à Vanya. Mambo. Moi, j'ai la vue de quand j'étais chez Dorcas. Oui. Voilà. Elle comment tu as beaucoup de jambes. Hein, c'était quand même le premier mal à l'aise. Et tu sais, dans ce dans les lui ne peut pas. Lui va te marquer plutôt les choses. Lui, lui il passe après que l'éponge et le savon est passé. Non, you need to... Viens, viens, non, viens, viens, viens pas ici. Regarde, viens pas là qu'on ne te voit pas. Je te montre ce que je t'ai dit. Je sais de quoi tu parles. C'est juste parce que c'est dans ma tête qu'il faut que je... Mais je sais qu'il faut encore partir le plus. Il faut le mousse savon avec les guenilles jaunes. Mousser et après maintenant essuyer, presser, essuyer avant maintenant de prendre lui sec. Lui, avec le mouton, ne peut pas. Tu comprends, non? J'aime pas ce... I don't like this one. I like it, man. J'aime pas. Daddy put it. La rentière dans deux continents. Ça te brûler, oui. Il faut pencher. Non, tu dois pencher d'une façon, oui. Et maintenant, allez, oui. Et mettre que lui part de côté, pas sur ton doigt. Tu vois. On m'a lavé, on m'a insulté. Mais c'est ça. Pas sur ton doigt, mais de côté. Il y a une technique. Mais je vais acheter le bâton. Anyway. Je vais acheter le bâton, oui, c'est ça. Le bâton que j'allume barbecue, là. Non, en fait, c'est un, tu laisses comme ça, c'est tout. C'est full là. Laisse comme ça, laisse. Un, c'est assez. Même ici, ça va sentir. Voici, l'ultime, c'est une mafia. Quand tu vois les adversaires, chez une personne à avoir, en l'ultime, moi, je te dis la vérité. Il dit que le niveau est trop élevé avec un frigo qui parle. Na elle elle. C'est que Facebook. Ta montre que tu as insulté matin, midi, soir, sa femme. On voit comment dans la vidéo tu étais heureuse de voir. C'est comme si tu avais vu peut-être, je ne sais pas. Dieu. Ou peut-être et ton fils. Et ton fils, oui, c'est ça. Natacha tire par manière. J'aime tout la fille ici. Natacha, c'est une rentière. Elle a des maisons en France, maisons en Afrique. Elle a transformé sa maison à Kribi en un hôtel 6 étoiles. Les pépettes des gens de Facebook viennent lui parler. You never know what's going on. Comme la chanson que Marie Larose a mise. Oui, tu ne peux pas connaître. On ne peut pas se mélanger. On ne peut plus se mélanger. C'est fini, Leslie. Le mélangement, c'était avant. Vous comprenez, non? Le mélangement, c'était avant. On va se respecter sur Meta. On ne peut plus se mélanger. Vous donnez le travail aux gens. La Black Beauty dit que vous donnez le travail aux gens. Moi, je pompe l'air dans le vide, là, vraiment. Vous ne me voyez même pas, si vous le voyez. C'est ça. Natacha, une rentière dans deux continents, Europe et Afrique. Je ne fais pas d'entreprise au Cameroun. Là-bas, je fais pour le temps que ça va. Après, je fais même si je fais 10 ans, moi, je vais faire 10 ans. Parce que, vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sur place, Natacha est en train de recadrer pète de gala. Partout, on pourrait dire que le niveau est trop élevé avec les filles qui appellent. Vas-y, les filles. Le niveau est trop élevé avec le frigo qui parle. Ouais, partout. Eh. Oui, je sais. Elle t'appelle depuis. Elle hein. T'appelle depuis? Oui. Vous donnez l'insomnie aux hommes avec la cuisine et le frigo là. Hein. Ouais. J'ai dit que ma Black Beauty, c'est la mort. Ils vont que travailler. Je lis les commentaires partout. Je viens de lire. Partout. C'est que mon téléphone dérange. Il y a quelque chose que je ne sais pas comment j'ai configuré. Les commentaires ne viennent pas vite. Je ne sais pas.
Natacha de Mouna, il y aura l'enceinte. Donc si je vais à Kribi là, je vais utiliser. Livna m'appelle comment et je suis en direct. Livna. Alors, c'est ça. On va plus se mélanger. Vous allez voir les vrais gens avec leur patron. Vrac. Et puis les bien gens comme les nous là. Ça, c'est une entreprise. Elle est en train de parler des choses des entrepreneurs. Ça veut dire que entrepreneur à succès. Voilà. C'est pas les choses qu'on parle là. Ça, c'est moi-même. Quand elle sort le matin. Ouais, non. Sort le matin. Ouais, non. C'est à l'entrée ici. Voilà. Photo de famille. Escalier, petite cuisine en aperçu, et puis je m'en vais. C'est ça, c'est moi. Moi, mon moi intérieur, vous choisissez ce que vous voulez, vous capturez, vous insultez ce que vous voulez, mais ça ne change rien sur ma vie que Dieu a mesurée. Vous allez choisir, capturer, insulter, mais ça ne va rien changer. Ouais, le niveau est trop élevé partout, je te jure. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont dépassés. Le frigo parle. La cuisine de la gloire glorieuse, ça donne l'insomnie, le purganor. J'ai glacé un bon moelleux, je vais me sucrer tout à l'heure, mon chéri. Ça vous rate. On est même chose. Les bons moelleux que j'ai ramené de Paris. Maman, le goût de ça. Et glacé, ça veut me sucrer comme un bon moelleux. Avec le filet de Pegasus. Bon à checker, une petite tomate façon à l'ivoirienne quoi. Ce sont les Abidjan. Ça, je déneige là le matin pour aller travailler. Tous les matins pour aller travailler. Pas le travail que vous dites, mais le travail que je fais. Et je bénis Dieu parce que c'est lui qui me donne la force tous les matins. Et après, il y a des réalisations qu'on fait. D'accord. Je vous ai mis le projet. Le projet qui vous a fermé là. Voici l'autre. Voici l'autre, regardez là. Regardez là, quand elle lave, elle lave la lionne. Dans ce cas, la beauté est relative. Chaque toi à y voir. Bosse pute. Sincèrement, chaque toi à y voir. Chacun sa vie. L'autre est clair, l'autre est noir. Chacun sa beauté. Quelle est la comparaison qu'il faut faire là? Si ce n'est pas là pour coller les têtes, c'est quoi? Vous n'avez encore rien vu. Vous avez pris deux filles. Justement, c'est le buzz. Moi, je connais, non? Tu comprends? Et il veut seulement cogner. Ngosput et Ngoyi ont pris deux jeunes filles qui se sont aussi laissées prendre, bien sûr, pour insulter à leur nom. Viens voir la fête qu'elles ont fêtée là. Pour pouvoir faire que ces enfants soient haineuses, sans fondement, sans rien. Venez voir. C'était la magie. Bomae. Voilà maintenant. Ça les dépasse. C'est chaud. Je dis que Natacha, c'est ma personne. Ça dit que la petite, là, non, elle vous pompe l'air. Ça dit qu'elle vous... non, Natacha, ah, mouf. Elle même va regarder la page de Bisseli. Elle a clashé Ngoyi grave ce soir. Oui, je viens de répondre à Bisseli avant. Elle a, c'est qu'elle a trop mélangé. Elle a mis trop les bamis. Ça m'a un peu dérangé, quoi. Voilà, je lui ai répondu. Elle peut parler à Ngoyi comme elle veut. J'ai déjà coupé même. J'ai déjà coupé. Tu sais comment je suis rapide. Donc... J'ai des personnes qui prennent et m'envoient tout de suite. C'est pour ça que moi j'ai voulu donc que cette vidéo-là vienne sur Facebook. Pourquoi ils sont allés mettre ça là-bas sur ou c'est TikTok ou c'est quoi là-bas? C'est moi qui ai fait que ça vienne sur Facebook. Et ça fait quoi? Vous avez amené les enfants à haïr pour créer vos teams moi. De merde. Regarde comment elle est chaude. Elle est là-bas comme le. Il faut que les gens voient ça. Ça ne doit pas rester là-bas sur TikTok. Elle est là-bas comme la vie de décès de Mathilde Blanc. Elle est là-bas comme la vie de décès de Mathilde Blanc. Regarde-moi. Mais si Nicole, je ne sais pas quand est-ce qu'elle fait le direct, je vais encore entrer. Je risque à écarter les pieds. Tu fais le favoritisme, Mossa. Mossa, tu fais le favoritisme. Tu aimes plus aller dans le direct de Boum Kena que d'aller dans le direct de Homer Simpson. Et Homer Simpson a vu. Oui, vous avez pris le cas, vous voulez lancer, elle a vu. Restez reculé. C'est comme ça. Le favoritisme. Tu vas plus, tu encourages plus Boum Kena au détriment de Homer Simpson.
Au moins, si son, vous avez lancé au caillou, elle a vu. Où de ça? Le direct, il parlait de la lionne. Toi, tu es entré, tu commences à envoyer des cœurs. Oui, j'envoie des cœurs. Même maintenant, si on est direct, même si ma maison, ça m'énerve, c'est j'envoie des cœurs. Alors que la lionne a donné sa poitrine pour toi. Ce sont des petits garçons, c'est un manipulateur. Ah! C'est maintenant que vous voyez que du cadavre est un manipulateur. Vous vous souvenez ici la crème de la crème, quand j'ai mélangé du cadavre avec Maral Ofombo. Quand je les avais vus tourner, ce qu'ils ont tourné, je les ai dit manipulateur. Du cadavre ouvert les lignes ici, 3 heures de temps, téléphoné, on m'insultait toute la nuit, toute la journée. Ça n'a rien changé sur ma vie. Sauf que tu dis qu'il est manipulateur. Ngo, ça, ça te rate. Ça te rate. Donc ça, c'est pourquoi je viens de répondre arrogamment. Parce que dis que donner la poitrine, donc moi-même, ça me dépasse. Ça te dépasse, Ngo, ça. Ça te dépasse, le combat te dépasse. Tu ne peux pas. Mais si elle est manipulable, il va la manipuler, c'est tout. Et quand lui, il paye, quand lui, il coche les gens, un ou pour les, il t'insulte aujourd'hui, demain, il est avec toi. Mais quand c'est une autre personne, il est jaloux. Moi, j'en vois les cœurs. Tu comprends? Il commence à dire que, ouais, elle gagne des milliers. Mais ça, je ne sais pas écrire. La seule chose que je peux continuer dans un duel, c'est les cœurs. Chacun a son étoile. L'heure de gloire de la lune a sauvé. Vous passez dans le frigo. Ah, merde! Applaudissez là, vous passez dans le frigo. Je glace les choses, je bois et je vous vois. Oh Seigneur, vous passez sur le frigo. Je vous glace ici là. Gospel. Mais c'est des enfants que vous avez fabriqués, non, Gospel? Tu étais très fier. Tu dis vraiment, quand un boom kena, quand Omer Simpson avant, bing, boom kena récupère, bing, tu faisais même les directs pour applaudir les deux filles. Voilà. Ça vous a rattrapé au carrefour de si je savais. Moi, je ne fais pas de team pour ça. Aucun enfant ne va pécher à mon nom. Vous me faites, je vous réponds. Propre. J'assume mes péchés. Même au paradis, cause avec Dieu une fois. D'abord, avant d'arriver, il connaît l'histoire. Dieu, tu as vu non. Et de toi sur sa page, il doit maintenant suivre son blog seul. Mais on a dit la lune entrée ici en clash. Elle a dit je fais son bagu le clash. C'est maintenant que vous connaissez. Ce n'est pas pour eux, pardon. C'était une parenthèse. Voilà. Coupe vite. Vitamine, c'est manipulateur, c'est tout. C'est manipulateur. Mais elle a beaucoup de joues, hein, Moussa. Facebook, c'est ça les phases. Oui, ça les phases, Moussa. Oui, nous, on connaît déjà. Ça a les phases, Moussa. C'est pour ça qu'elle ne prend pas de team. Copiez-moi. J'ai aucune team. Une place. Je dis ce qu'elle pense. Vous m'insultez 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je m'en fous. Non, on dit souvent que les coups types sont méchants, c'est vrai. Faut arrêter ça. Nicole est de ta team. Tu comprends, non? Non, mais mets dans le sang, quoi. C'est quoi? Elle ne veut plus parler de ça. Bon, ça, c'est moi encore. C'est un autre jour que je sortais toujours. Voilà, de la maison. Tout ça. Tout ça. Photo est là. Je ne sais pas si Ngossa. Gospit Ngoy voit ma photo familiale. Je sors de la maison. C'est ça, c'est moi. Ici, là, c'est le fameux direct où on a lavé. Maman Sandra. Faux profil Sandra a récupéré au maire Simpson. Là, elle a lavé là-bas. Le sourire de Maral Ofombo a changé. Anya. Ok. Maman. Sandra. Elle est sur traite par rapport à qui elle. Ou bien elle entre dans la foule. Pourquoi elle n'a pas publié la vidéo? Même les ténébreux parlent de ça. Pourquoi elle n'a pas publié la vidéo? Question. Sandra. Tapez. Sandra. Elle vient sortir, vient de faire. Ma de la lionne, pourquoi elle n'a pas. C'est Ndolé Mindoumba.
C'est Ndolé Mintumba, pas Miondo. Avec tes yeux là, ta bouche là, avec tes yeux en clignotant là. Super appétit. Oui. Malo Fombo et Ndolé Mintumba, Ndolé Mintumba. Ça, c'est Ndolé Mintumba. Ndolé Mintumba fait le Congo, ça plus que tous les enfants de Facebook. Ça, c'est Ndolé Mintumba. Ça, alors, c'est la magie. Ça, c'est la magie. Poupine a peut me tuer. La française aussi peut me tuer. Elle nous parle de l'augmentation de loyer, elle nous confiance en elle. Vas-y. C'est quoi? C'est-à-dire, je ne sais même pas comment m'exprimer. Tu dors pas. Hein? Attends, pourquoi tu ne dors pas? Tu ne dors pas. Je m'en vais comme ça par la BLS. Maman, je dors, je couche, je tombe, je me lève, je couche, je tombe. Qui est derrière moi? Elle avait un amant prêtre. Allô? Ma reine est bio! La reine des reines. La reine des reines. Moi, je suis un faux profil. Je suis comme tout le sauveur. Oui, c'est, ouais, ça, c'est mon nom. Je te salue, ma chérie. Merci, ma reine. Merci. Oui. Ma reine. Oui. J'ai rêvé venir dans ton direct. Oui. J'ai voulu venir dans ton direct, ma reine. Aujourd'hui, j'ai insisté et tu m'as pris. Merci, ma reine-mère. Oui. Merci, ma reine-mère. Merci, la reine-mère bio. Moi, oui. Je suis comme tout mon sauveur, mais je ne souffre pas. Je suis en Allemagne. Okay. Je suis maman Lolo, tata Lolo Fodia. Elle, c'est ma mère. Ainsi. Elle ne me connaît même pas. Quand elle voit seulement mon nom, elle fuit reine-mère. Le problème, c'est que je suis un faux profil. Et puis, bon, on ne me voit même pas, je m'en fiche. Ma reine-mère, oui. Reine-mère bio. La reine mère du Canada. Oui. Merci, ma belle. Merci, maman. De rien. Merci, comme tu m'as pris. Je suis heureuse. Je peux dormir tranquille. Oh, ça, je suis de moi. Je suis comme toi, mon sauveur, mais je ne souffre pas. Je suis en Allemagne. D'accord, ma chérie. Ma reine mère, merci. De rien, maman. De rien. Ma reine mère. Je ne sais pas si je vais chanter ou je ne sais pas. Reine mère bio. Merci, ma reine. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Les gens vont t'insulter, les gens vont dire que wow, mais tu es une reine. Mais, merci maman, merci. Dieu fait grâce. Ma reine mère. Yeah. Je sais pas si je vais chanter. Chante seulement, maman, c'est Sarah Bora. On va même danser. N'est-ce pas, ma reine mère? La bio de bio, maman chérie. Oui. Maman chérie. Ma reine mère, oui. Je suis comme tout mon sauveur, hein, mais je ne souffre pas. Hein. Non, non, je suis en Allemagne. Tu ne souffres. Reine mère, je te suis. Je suis contente. Je suis fière de toi, ma reine mère. Tu n'es pas une haineuse. Tu n'es pas une femme. Les gens vont dire que oh celle-là, oh la chef, oh, machin truc, ça c'est le tchavroum. Reine mère bio, elle est bio. Mm. Elle est posée. Merci. Elle a ses enfants. Moi, je n'ai souvent pas le temps, reine mère bio. Je n'ai souvent pas le temps, mais quand j'arrive, un petit instant que je peux suivre, je suis, et puis je suis partie. Je remercie les gens surtout pour les partages, parce que quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, on est encore restreint, ça fait pas... C'est pas évident, quoi. Mais bon, les partages, vraiment, je remercie les gens pour ça. Beaucoup. Reine mère, je te suis, ça fait pratiquement... 4 ans?
Oui, je vois ton profil. Tu n'as pas eu besoin de partage, tu n'as eu besoin de rien, tu es persévérante. Tu es une femme qui persévère. Moi, je n'ai pas souvent le temps. Je suis en Allemagne. Oui. Je suis en faux profil. Moi, je sais pas. Je ne veux pas qu'on me voie, mais tu es une femme qui persévère. Tu es une femme bien. Merci. Tu es une reine mère. Merci. La vraie reine mère, c'est toi, maman. Merci. Ma reine mère. Dieu fait grâce. Quand je viens, je te suis un peu et puis je pars. Et puis je reviens, je suis les gens qui veulent se comparer avec toi là. Je ris. Ma reine mère, je ris. Je suis quand mon sauveur. Ça, c'est mon faux profil. Oui, tu ne souffres de rien. Tu es ma fille. Oui, reine mère. Reine mère, je te suis à fond chaque jour qui passe. Amen. En Allemagne. Merci. J'ai un peu, je ne sais pas ce que je peux dire, d'Ngoï. Pardon. L'Ngoï? Oui, bon, j'ai beaucoup de choses en Allemagne. Moi, je connais. Bon, attends, ça va. Sa famille personnelle et. C'est vrai, Jean, et tu connais qu'elle a eu un problème dernièrement, et puis c'est qui son écrivain? C'est l'écrivain, hein? C'est lui qui écrit ces choses-là. Mm-hmm. C'est lui qui écrit, qui a perdu... Oui, je sais, je sais. Je le connais, c'est voilà. Lui qui... Congossa, pas Congossa, oui. C'est lui qui a perdu sa femme dernièrement, tout. Oh, je suis là, j'ai assisté à tout, je suis là. C'est dit... Je ne suis pas une sorcière, mais c'est ma famille. Je dis que le sang de mon sang, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Et je le connais. Ouais, même sa femme, je la connais. Les enfants, il a des garçons et tout. Je connais. Voilà. Donc, je voulais, quand il exagérait un peu sur moi, je voulais le publier. Et donc, Reine-mère, on va parler de ça après. Oui, Bio, la reine-mère bio. Mm-hmm. Ma reine-mère, je suis seulement venue ici entrer et puis je t'aime beaucoup. Merci. Je te suis beaucoup. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas une sorcière. Mon nom seulement fait fuir Tata Lolo. Quand Tata Lolo voit mon nom, elle va se battre. Elle va dire, voilà, comme mon sauveur, elle va fuir. Elle va courir. Ma reine-mère, merci ma mère. Merci de me prendre dans ton direct, reine-mère. Mm-hmm. Donc, merci ma fille. Merci beaucoup. Reine-mère, je t'aime beaucoup. Je t'adore. Merci de... On t'a insulté, on a dit que wow, mais tu es reine, mais tu sais ce que tu veux. Oui. Tu comprends ce qui te plaît. Ouais. Les gens qui ne te voient même pas, quand je viens un seul instant, je regarde un peu, je vois un peu ceux qui t'insultent même. Ah, après, je pars moi. Je continue mes choses, j'ai ma vie, j'ai mes problèmes. Ouais. Je t'aime beaucoup. J'ai Android. Dieu. Reine mes bio Android. Je t'adore, maman. Merci. Je t'adore, maman. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse, ma reine mère. Y a pas je te de... laisse, ma bio. Merci d'avoir intervenu. Hein. Merci beaucoup. Ok, bio. Reine mes bio. Chance. Reine mes bio, reste comme tu es. Non, je... Comme tu es. Tu ne demandes rien à personne. Tu as toujours bataillé. Tu as toujours été celle-là qui, en fait, se bat pour tout. On va t'insulter que oh, ta cuisine était ça, après ta cuisine était ci. C'est ta cuisine, non? Je ne travaille pas ton argent, non, reine-mère? C'est ta... Reine-mère bio. Yeah. Ouais, c'est chez moi, non? Reine... Je dormais même dans la... Reine-mère bio, maman. Mm-hmm. Et ce qui m'a encore touchée dans toutes les choses de Facebook, là, c'est quand tu es allée chez la Galloise. Ah oui, yeah. Avec ton petit cadeau, là, tu es parti, tu as dit la Galloise, je viens, reine-mère. Tu n'es pas une cousin, on va t'insulter. Mais tu es une femme qui est très bien. Moi, je suis dans l'ombre. Merci. Moi, je suis... On appelle ça quoi sur Facebook? On dit que c'est quoi là? Ils ont un nom là. Actuellement, ce qui est important pour moi, c'est Laetitia Ndiassi. Oui. Avec William, c'est la doute qui m'importe maintenant. Reine-mère bio, je te reviens, ma belle. D'accord, mon bébé. D'accord. Ma... Toi. Ok, ma bisous, bye bye. Ok, maman. Bisous, maman. Raccroche, maman, raccroche là-bas. Il ne faut pas qu'on me voit. Je suis en faux profil. Oui, vas-y, ma fille. Vas-y, bye bye. Oh, ça fait plaisir hein, d'entendre des personnes avec un beau témoignage qui te suit depuis un certain nombre d'années parce que, voilà, ça. C'est sur beaucoup d'années. Hein. C'est quelque chose que. Les gens vont penser que c'est du jeu, voilà. Mais ça n'a pas été facile, ça, c'est sûr.
L'harcèlement, le lynchage était vraiment intense, mais comme moi, je suis une personne endurante et téméraire de nature, je tiens, je sais tenir mon bout, je sais ce que je veux, je sais où je vais et je ne recule devant rien, je fais ce que j'ai à faire. Surtout que quand ça n'affecte pas, n'est-ce pas, les individus et tout, moi je le fais et puis voilà. Donc vraiment, je ne regrette rien, je suis bien contente. Tout ce que j'ai vécu comme harcèlement, j'ai des personnes neutres hein, qui sont levées sur moi des mois et des mois pour soutenir Ngoï et tout ça, on passe les détails. Mais ça ne m'a pas affectée pour autant parce que je n'avais rien à me reprocher. Je me suis dit, c'est juste les haines de moi à détester, comme ils savent bien le dire. Et à partir du moment où ces gens, j'ai rien avec eux ou contre eux, moi je m'en fous, ils vont chanter et déchanter. Moi je me concentre seulement sur ce que j'ai à faire. Et voilà. Et puis finalement, Zuckerberg nous a retrouvés dedans avec la monétisation. Que faire? On va seulement continuer à faire vivre notre blog de la sorte et puis advienne que pourra. Donc voilà. Je ne comprends pas pourquoi mon système de chauffage fait un bruit bizarre. Ça fait ouh, après ça repart, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est bizarre. Un gros bruit, après ça va s'arrêter, après ça va revenir. Je ne sais pas pourquoi mon système central fait ce bruit-là. Je vais un peu voir ça avec mon chéri tantôt. Alors, je vous aime beaucoup. On a passé vraiment un bon moment. Leslie a fait toute sa cuisine. Elle a déjà mangé. Je crois qu'elle est déjà dans sa chambre et tout. Je vais vous laisser alors. Je vais aller manger aussi avec mon chéri. Là, il est quelle heure? Il est 20h41 quand même. Hein. Je vais manger tard. Donc, je vais aller manger. Je vous aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de passer le temps avec vous. C'était super. Hein. Et puis, bisous. Partage. Les partages sont magnifiques. Je suis fière pour aujourd'hui, les partages. Et Élise Battant, tu prends ça au premier degré, au deuxième degré. Ça me laisse à 37 degrés. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Mais tu es un peu zaillé, quoi. Donc, il faut souvent savoir doser. Je ne te dis pas de ne pas te plaindre des choses qui dépasse ton entendement, mais est un peu de jugeote, en fait. Parce que ne dépasse pas les limites, en fait. Ne dévoile pas les limites. Tu comprends? Donc, voilà. Ça, c'est... Voici l'autre. Je vais vous retrouver dans votre camp. J'avais mon camp. Vous avez le vôtre. J'ai dit que le meilleur gagne. Ça, c'est Papi CS. Avec les madres, alors. Hein, les lots chevaliers. La plupart, je connais la plupart. Il y a Valérie Colonio. Je connais Valérie Colonio. Je connais là où elle vit. Dans quel pays elle vit. Tu parles du combat de Facebook. Ce fut rude. Hein? Mais alors, Samir, je connais là où elle vit. Imagine alors, Chevalier, je l'ai publié. C'est Christelle Emou, l'épouse du déplumeur. Propre. Même les diamants, chacun a pris son temps. C'était la vraie guerre. On a livré le vrai combat. C'est pas le combat. C'était de la pas plus facile. Hein? On se livrait ça sans maison. Propre. Je regarde ça propre. Tu me regardes, tu dis. Mais un jour, quand tu me dis, mais n'est-ce pas, Bélo, il était quand même la personne, il me dit, mais ça, tu me connais. Mais on s'est limé. Tu dis, je lis aussi les abeilles. Tu dis, je lis votre patronne. On s'est limé, on s'est blessé. C'était comme ça. Mais comment est-ce que tu sais que. Hey, Massa. C'est toujours l'affaire d'Homer Simpson. Je vais regarder jusqu'à ce que Massa vive déjà fini dans le ventre. Lui, le meilleur voit l'eau. Je me lave une grosse dents et pas moi dormir. Demain, c'est un autre jour. La lionne, je peux te dire que j'ai appris que tes gens sont venus ici là pour dire que hein, tu seras en direct. Ne fais pas allusion à moi. C'est un fait, tu vas faire quoi? Donc, tu enfermes ça. C'est un fait, tu vas faire quoi? Tu en fous comme petit parasite. C'est un fait, tu vas faire quoi? Ne parle pas de moi. Et ça fait quoi, c'est pas? Viens nous relater vraiment la chose, la clé. Et sache que moi, de ma part, comme on m'a dit que tu es électron libre, et moi, je ne fonctionne pas avec les électrons libres. Moi, je te dis ce que moi, je pense. Moi, je ne fonctionne pas avec les électrons libres. Comme on m'a dit que tu es électron libre. Donc, dans mes différents groupes et mes différentes pages, moi, je te dirais, je ne veux pas qu'on partage ça là-bas parce que tu es électron libre. Il faut qu'une team d'électrons libres, ceux qui sont électrons libres vont continuer avec toi. Mais moi, mon ami, c'est lui. Ceux qui s'occupent de mes pages Facebook et vous êtes déjà avisé. Il ne veut pas voir. Moi, pas de souci, lui, c'est pour la tête de moi. Tu cliques sur un j'aime, un cœur, ou tu envoies les étoiles, ça va effacer ça. Il ne veut pas d'électrons libres chez moi. Chez moi, il n'y a pas d'électrons libres. Hey, voilà. Maman. Ce n'est pas la vie. Si j'étais électron libre, et puis il fallait me disparaître, moi, je me sens que ça. Je dis que. Moi, je ne suis pas électron libre.
Elle a salué Président Amoth, c'est grave. Elle bouffe un djangir. Non, moi, je n'ai pas vu moi le problème. Moi, je dis juste que moi, chez moi, je ne vois pas d'électron libre. Chez moi, il n'y a pas d'électron libre. Maman, je vais chercher mes verres pour commencer à aller ouvrir mon plat. Servir mon plat. Avec mon chéri, maman. Reste, c'est les chats. Reste, c'est les chats, vous. Est-ce qu'elle vous gère? Moi, elle vous gère. Elle vous gère où? Moi, j'aime. C'est moi qui sens les sentiments dans mon corps, là. Voilà. Donc, il n'y a que moi qui connais mon degré de douleur. Donc, mon électron libre, là, ça ne marche, je ne comprends pas ça. Mon cerveau ne comprend pas. Laissez-moi, il a arrêté de me prendre. Le saut avec les glaçons. Mon cerveau, Alex, ne comprend pas que l'électron libre. Mais quand vous comprenez, c'est au final. Laisse-moi. Mon cerveau ne comprend pas que l'électron libre. Laissez-moi, laissez ma tête. Il ne comprend pas l'électron libre dans mon cerveau. Quittez dans la tête. Voilà, allez crier là-bas dehors, ailleurs, c'est l'électron libre. Dans ma tête, je n'ai pas compris l'électron libre. Donc, ce que moi, j'appelle l'électron libre. Je sais que pour l'heure, ma épouse ne m'a pas encore dit que mon couple, mon ex et moi, là, je n'ai pas encore même vu sur Facebook. Je n'ai pas vu. J'ai cette année, après, avant l'enterrement, la télé de ce film, de celui de la voyenne, j'ai vu ça encore repris. Donc je considère que ma coéponse est pourchassée. Voilà. Maintenant, je considère que ma coéponse est pourchassée. Je vais voir que ma coéponse est pourchassée. Tant que ma coéponse n'est pas calme, le comprends pas que les familles le font. Je ne sais pas si dans ma tête. Je ne sais pas si votre famille le font. Je ne sais pas si votre famille le font. Je ne sais pas si votre famille le font. Je ne sais pas si votre famille le font. Donc, vous voyez, non, vous comprenez maintenant tout. Alors, le combat fut rude. Nous avons combattu le bon combat, comme on dit souvent quand quelqu'un est mort. Nous avons, on s'est gagné la victoire, nous avons fait comme on dit souvent. Parce que c'était pas facile. Il fallait que tu aies le dos large pour pouvoir combattre. Et je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Et j'assume de A à Z. Il n'y a rien qui n'assume pas dedans. Vous avez compris, non? Donc, c'est ça. Je pense que je vais vous laisser. Ma maman, donc, j'ai faim. Que j'aille manger. Qu'elle voit seulement les filets de poisson, là, manger l'eau à la bouche. La cuisine glosse maman, ça. Les jaloux, rincez-vous les yeux. Rennes bio. Le village sera content. Écoute sa voix comme ça. Il est passé dans le frigo, ma fille. Un village.
Par PCS, les jaloux, rincez-vous les yeux. Ma maman, je dis que les faux gens avaient des vies, je ne sais même pas, des vies en chantier pour longtemps. Vous voulez parler aux gens qui sont en train de planifier leur vie par à peu près. Imbécile. Tourmé, non. Faux mentir, non. Tu sais ce que tu disais, non. Bon, bouf, n'gap. Alors, Élise Baton, ravise-toi et change ta façon de penser. Arrête de dire que tu vas exterminer les Bamilékés. Parle à Flore. Arrête-toi sur Flore et laisse les Bamilékés où ils sont. Flore n'agit pas en tant que Bamiléké. Elle nous répond pour le nom des Bamiléké. Elle est mafou dans sa tête. Même sa mère dit qu'elle n'est pas mafou. Donc je vous aime, laissez-moi aller manger. Hein. Je m'allais manger. Laissez-moi manger. Alors je dresse mes choses. Je vais manger même ici une fois. Je dresse tout, tout, tout. Et puis mon chéri vient, on mange. C'est ça. Je vous aime. Bye. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bisous là-bas. C'était la maman. Merci des partages, merci des étoiles, merci de me suivre. Continuez de partager dans les groupes, partout, partout, partout. C'est ça. Zuckerberg, hein, c'est comme ça. Il confirme qu'au-delà de tout, les gens qui suivent cette maman veulent encore la voir. Alors, je suis là. Je suis là pour vous. Merci. Kamto, mon sauveur, ma fille, merci. Hein. Franchement, ça m'a touché, toutes tes paroles. Et je suis contente de savoir que tu me suis depuis tout ce temps, dont tu connais la genèse. Il n'y a rien que je peux te raconter ou inventer. Et... let's go on, on va continuer. Il n'y a pas... les gens parlent, ceux qui parlent, mais ils ne savent pas. C'est comme ça. Bisous, hein. Bye.